Quelle mouche a pu piquer une certaine presse internationale à vouloir réveiller dans le Congolais, au sein de cette classe politique du Congo, l'esprit nationaliste? Entre Félix Tshisekedi qui aurait vendu la RDC aux Russes en cherchant le moyen, ou au Qatar en cherchant des milliards, Félix Tshisekedi qui aurait eu des collaborateurs qui sont empêtrés dans le monde des mines, et Joseph Kabila qui est en train de siphonner le fonds public, ses proches ayant détourné des millions, la presse dite internationale prend le Congolais pour des enfants qui ne comprennent pas comment marche le monde. Aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup perdu grâce à l'infantilisation. Aujourd'hui, la presse d'Afrique essaie de comprendre comment fonctionne le monde. Et pour cela, qu'ici à Kinshasa, nous n'allons pas voir les choses de la même manière. Bienvenue. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre. C'est Club 50, je sais que vous l'attendez cette édition beaucoup, beaucoup plus chez vous, à travers le monde, même dans vos salons. C'est Club 50 exceptionnellement qui prendra 2 heures parce que vous réclamez beaucoup qu'on élargisse un tout petit peu les temps pour permettre aux journalistes de s'exprimer. Nous allons nous apesantir sur ces feuilletons qui viennent à peine de commencer avec une distraction de plus. Sur la République démocratique du Congo. Oui, on parle d'hold-up, on parle de détournement, on parle d'anciens dirigeants, de nouveaux dirigeants qui seraient des mauvais. Alors qu'on ne parle pas suffisamment de ce que l'Occident, ou l'impérialiste, ou tout simplement les multinationales pompent, siphonnent sur la République démocratique du Congo depuis des années. Est-ce qu'on a déjà parlé de ce qu'on appelle les contentieux belgo-congolais? Est-ce qu'on parle de ces minéraux qui partent de chez nous sans payer le maximum des taxes? Est-ce qu'on parle des bois, du coltan qui traversent nos frontières sans que personne ne puisse en parler? Alors, aujourd'hui, avec les journalistes en place, il y en a suffisamment d'ailleurs, 6. Nous allons revenir un peu sur tout cela. Je vais les accueillir l'un après l'autre. D'abord, l'homme qui a pris quasiment ses quartiers ici, c'est Charles-Alain Kankou, 3 pièces, très en colère ou serein? Oh non, mais très serein, je suis très très serein, mais à la fois aussi en colère. En colère pourquoi? Parce que vous avez tous suivi le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale sur le budget. Oui, les trains de vie qu'il faut réduire, Dixit Kabound. Voilà. Alors, il y a eu un député national qui a pris la défense du peuple. Kabound, Jean-Marc Kabound à Kabound. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, dans l'histoire parlementaire, nous avons connu plusieurs bonzes des régimes précédents. Mais je dois avouer ici, Jean-Marie Kassamba, c'est pour la première fois que nous voyons dans ce pays un homme du régime. Il faut le savoir aujourd'hui que Kabound à Kabound, qu'on les veille ou pas, c'est parmi les hommes puissants de ces régimes. Enlevé puissant. Et oui, je pèse bien. Je pèse bien, mais non, il est à la tête d'un parti politique qui est une véritable machine. Les grandes décisions, notamment de son parti politique, se passent chez lui. Attendez, si vous voulez que j'enlève puissant, par élégance, j'enlève puissant. En République, il n'y a jamais de dire, puissant. C'est un homme faible alors. Non, c'est Kabound, un homme faible. C'est un élu. Il n'est ni puissant ni faible. C'est un élu dirigeant d'un parti. D'accord, c'est un élu, bien entendu. Oui. Je disais que Kabound a fait preuve d'un patriotisme incroyable. Voyez-vous? C'est pas du populisme. Les gens peuvent qualifier cela de populisme. J'ai entendu des gens dire qu'il n'est pas le premier à prendre fait cause pour la plèbe
les petits peuples, Délice Sangala avait fait. Et moi, j'ai dit, mais si c'est Sangala fait, et que Kamund est venu marteler là-dessus, où est le problème? Où est le péché? Alors, comme il est quelqu'un qui est parmi les gens qui, aujourd'hui, sont en vie dans le régime tshisekédien, il a pris fait cause pour le peuple. Il a demandé qu'il y ait une justice distributive, qu'il y ait une compression de certains postes budgétaires, notamment c'est accordé à la rémunération, au fonctionnement, ainsi de suite. Et curieusement, Jean-Marie Kassamba, j'ai vu certains élus du peuple, alors que Kabound déjouait l'imposture de ces élus-là qui ont toujours défendu le peuple dans tout ce que la population congolaise de l'Est connaît comme problème. Mais ce sont eux en premier qui se sont levés contre Kabound. Les députés de l'Est, on parle de Juvenal Monobo, qui s'est opposé. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte... Il est de l'Union sacrée ou pas? Oui, mais il est de l'UNC. Nous sommes dans un contexte où tout le monde doit faire des sacrifices. Merci. C'est vrai que je n'ai jamais, et je termine par là, je n'ai jamais été d'accord que ceux qui travaillent pour les autres, les acteurs politiques, aient des salaires de misère. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Mais dans les contextes actuels, nous devons admettre qu'il y ait des coupes qui vont se faire au sein de la commission ECOFIN afin de rééquilibrer un peu les choses, remonter à l'enveloppe allouée à la défense et sécurité, à l'armée et aux enseignants. De cette façon-là, on peut quand même espérer vivre en paix, au moins pour le moment. Merci beaucoup. Ça, c'était le biscuit Kabound. On l'a senti. Non, mais on l'a senti. C'est pas le biscuit, j'ai voulu. C'est un carton vert. On l'a, pas un biscuit. On l'a bien senti. Ça, c'est un carton vert que nous avons Honorable Kabound, maintenant que vous avez ouvert la marmite, faites attention à votre train de vie. Faites attention à votre personnel, à votre escorte. À l'opulence. À même le véhicule que vous avez, les costumes, tout ce qui va avec. Parce qu'on va faire les calculs entre votre salaire et les frais de vie. C'est ça, la sobriété, n'est-ce pas? Et si vous me permettez... Bienvenue, John Lungila. Peut-être après ces mandats. Bienvenue, John Lungila. Le média international feront des calculs sur le costume de Kabound. Il faut faire attention. Maintenant, qui s'est lancé là-dedans. Le problème, c'est que vous ne voulez pas que Kabound puisse. Non, c'est bien dit. À ce qu'il y ait compression. Non, il a raison. Et ministre pour un peu augmenter. Non, il a raison. Relative à la sécurité. Vous ne voulez pas qu'il dise ça? Sinon, on va les placer. Il a complètement raison. Dans les viseurs. Laissez-moi vous accueillir. Laissez-moi vous accueillir. J'accueille maintenant John Lungila. Ah, merci beaucoup. J'ai aussi mon biscuit. J'en ai le droit. Oui. Mais mon biscuit, c'est une désolation. Je vous signale que j'ai croisé un élu qui m'a dit, dites à vos journalistes, les biscuits nous pompent beaucoup de minutes. Alors, soyez vraiment restreints dans vos biscuits. Il l'a dit nommément. Honorable Chimanga, pour ne pas le dire. Moi, je vais dire au chef de l'État. Oui. À la présidence de la République, il y a des structures, il y en a beaucoup. Vigier Tivor. Oui. Je ne suis pas dans ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et chaque structure répond à une mission, à un objectif précis. Parce que c'est créé sur base des textes. La vision du chef de l'État, mais aussi et surtout, conformément aux textes. Je ne vois pas aujourd'hui l'agence de prévention de lutte contre la corruption qualifier des infractions, des détournements de fonds ou procéder à des contrôles des finances publiques au sein des structures de l'État. C'est une mission reconnue à l'inspection générale des finances. Ici, je voulais m'adresser au chef de l'État parce que cette structure fait la honte du président de la République. Comment ça ? Par rapport à une situation ici à la ville-province de Kinshasa. Mais comment? Je parle de la 2GRK. Où est le rapport entre cette agence? Il y a le rapport. Oui. Je vais vous le prouver. En une minute, tout simplement. Ce n'est pas beaucoup. La 2GRK, c'est la structure provinciale. Voilà, recouvrement fiscal. Comme tout pour les taxes de la ville. Effectivement. Et la 2GRK, pour moderniser ses services, avait signé en partenariat avec une société Solitech. Solitech devrait offrir à la DGRK un logiciel pour permettre à la DGRK de mobiliser les recettes, de générer des recettes avec la révolution de la modernité. Mais c'est fait que ce logiciel a prouvé ses insuffisances. Et
Face à cela, il était question de sursoir un peu à ces partenariats pour permettre à la DGRK de travailler. Vous savez que ça fait un bon moment que la DGRK ne fonctionne pas. On nous annonce des recouvrements, mais le jour J, il n'y a rien. Parce que Solitec ne respecte pas ses engagements. Et on a mis de côté cette structure, c'est privé. Et la structure, je termine par là, c'est important, la structure va s'appuyer sur l'Agence de prévention de lutte contre la corruption. Je ne voulais pas citer le nom des gens ici. Donc, la même société privée est partie voir l'agence. Effectivement, pour faire pression sur les DG de la DGRK. C'est du trafic d'influence, ça. Trafic d'influence, pourquoi? Premièrement, ils ont instrumentalisé l'ANR. Aussi? Parce que, oui, les DG de la DGRK, nous avons l'information, a fait toute une nuit à l'ANR. Oui, mais convoqué si c'est pour des raisons d'enquête. Pas d'enquête, parce que l'ANR ne peut pas... procéder au contrôle pour voir s'il y a détournement ou pas. Ce n'est pas le travail de l'ANR. D'ailleurs, je sais que l'ANR a fini par dire au DG, ce n'est pas notre travail. Il y a un service financier à l'ANR. Ce n'est pas nous qui vous avons convoqué. Mm. C'est à l'ANR, on retrouve les services de la PLC. Et aujourd'hui, il y a un rapport de la PLC déposé au parquet de Matete. Le procureur général de Matete, c'est le directeur des cabinets du coordonnateur de cette agence. Là encore, une entorse. Comment ça? Oui, je vous informe. Le procureur de cette histoire de Matete, c'est le directeur de cabinet du coordonnateur de l'agence de la PSC. Tout ceci pour faire l'acharnement. Il y a cumul de fonctions. Parce qu'on veut protéger les intérêts des individus par rapport aux intérêts de la ville. Et nous ne sommes pas d'accord parce que le chef de l'État tient à ce que l'intérêt supérieur prime sur les intérêts individuels aussi longtemps qu'il y a une mission de l'inspection générale de finances à la DGRK pour constater les détournements et faire rapport. Pourquoi on veut doubler les enquêtes? Parce qu'on veut protéger les intérêts de Solitec. Les problèmes ici, c'est parce que le DG de la DGRK a dénoncé les failles du logiciel de Solitec. Le patron de Solitec, il y a des ramifications avec le coordonnateur de l'APLC. Et au niveau de l'APLC, les DIRCAB et au niveau du parquet de Matete. Et on veut instrumentaliser la justice pour régler le corps des individus, faire l'acharnement. Ça, nous devons les dénoncer pour décourager ceux qui pensent que ces pays leur appartiennent. On a bien compris. Merci. Et d'ailleurs, on a bien compris. On va suivre les dossiers de très près, je dis bien de très près, pour savoir qui fait quoi dans cette affaire, parce que la presse est aussi là pour dénoncer ce genre de choses. Allez. Wimba, vous êtes vachement calme, comme dirait l'autre. Comme le bon français dit, vachement calme. Ah oui, je suis calme. Bienvenue. Merci. Vous n'avez pas de biscuits, vous? Non, mais je voudrais quand même rétablir la vérité. À quel sujet? Il y a quand même des contes et vérités qui sont sortis de la bouche de Charles Quint ici. Quand? Oui. Sur Kaboun? Oui, il faut rétablir la vérité. Il faut reconnaître qu'au début de cette législative, un député national, Delis Sissanga, a introduit un amendement sur la réduction des trains de vie de l'État. Il voulait même que dans les règlements d'ordre d'intérêt, cela doit être clair, qu'on puisse plafonner les salaires des députés. Ça, c'est Sissanga? C'est Sissanga. Et cet amendement a été rejeté à l'unanimité. À l'époque, il y avait la coalition FCC Cash. Kaboun est venu fraîchement de Mboué la loge, où il est monté sur les chevaux. Il a complètement rejeté cet amendement. Alors, je l'ai suivi. Quand Kaboun parle de la réduction du train de vie de l'État, tellement qu'il fait les plagiats, il ne comprend même pas ce que ça veut dire. Parce que dans son entendement, il estime que le train de vie de l'État, c'est divisé par les salaires des députés et des ministres. Ce qui est complètement faux. C'est beaucoup plus. Parce que Kaboun, contrairement aux autres députés, ce que Charles Guay ne dit pas, il n'a pas seulement les émoluments, il a des frais de fonctionnement comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et c'est exorbitant. C'est ce qui lui permet même de sortir 305 000 dollars pour construire une école à Kinshasa. Donc, je voudrais donc cette liste. C'est ça. Mais s'il a la bonne volonté que tout ceci soit diminué, c'est non, s'ils avaient la bonne volonté. Non, je dis lui, Kaboun. Non, ça devait. Voilà, il faut des propositions concrètes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous lisez le budget actuel, les salaires d'un député, le total de ce qu'on va payer à un député, c'est 15 000 dollars. 15 000? C'est 10 000 dollars, plus les invisibles, c'est 15 000 dollars. Mm-hmm. C'est pourquoi, à son temps, Sessang avait dit
plafonnons. Il faut que les salaires des députés soient égaux à un secrétaire général de la fonction publique. Parce que si nous, les députés, en tant qu'autorité, les équivalences, si nous sommes exigeants par rapport à nous-mêmes en tant qu'autorité budgétaire, nous allons demander aux autres, voilà, nous nous diminuons à tel autant, vous aussi diminuez de l'autre côté. Mais quand les députés eux-mêmes consomment l'Assemblée nationale et l'institution la plus budgétivore, donc Kabound est en train de faire son cinéma. Moi, j'aurais voulu que Kabound, d'ailleurs, dise qu'on renonce à la palissade, par exemple. Oui, parce qu'il consomme beaucoup de la palissade. C'est ça, on l'a fait. C'est ça, il est passé à l'acte. Il a pris tous ses émoluments, il a mis ça pour les comptes des Covid, dans l'esprit que loin de tout privilège, il faut servir. Donc je crois qu'à un moment donné, c'est du populisme parce que la personne là, il ne comprend pas. La réduction du train de vie de l'État signifie que dans ces pays, depuis plusieurs années, les institutions, les animateurs des institutions, qui ne représentent même pas 1% de la population congolaise, consomment 70% du budget. Et tous les restes des Congolais consomment 30%. Tant qu'on ne va pas balayer à la présidence, tant qu'on ne va pas balayer au gouvernement, la taille du gouvernement. Tant que dans toutes ces institutions, on ne va pas balayer, mettre de l'ordre. Ça, donc, Kabound est tenté de faire du populisme. Quand je le vois, il ne comprend même pas ce que ça signifie. Non, laissez-le, c'est un élu universitaire. Mais je crois qu'à l'époque, quand il venait de Mbola Lodge, il n'avait pas assez de moyens. Mais aujourd'hui, vous avez, vous, comme Mbola Lodge. Non, mais aujourd'hui, Kabound a des frais de fonctionnement. Il gère les budgets de l'Union sacrée. Ne vous répétez pas. Il a plus de moyens aujourd'hui. Donc, les émoluments pour lui sont des miettes. C'est comme ça que les Mounobo réclament parce qu'ils n'ont pas des frais de fonctionnement. Ne vous répétez pas. Alors. Mais ce qui est sûr, on va suivre de près les trains de vie de Kabound. Bienvenue, Izouba. Hein, tout en bleu et rose. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'UNPC, ville-province de Kinshasa. Bon, mais ici, je suis votre collègue. Oui, absolument. Aussi, vous êtes notre confrère. Vous présentez bien votre émission. Mais j'aimerais aussi... Vous n'avez pas de biscuits, non? Non, je commente l'affaire que j'ai trouvée sur la table, sur Kabound. Parce que je ne peux pas comprendre que Kabound soit parti sur des débats qui n'ont pas apporté des solutions dans le passé. C'est-à-dire pas sur la réduction du train de vie, on en a vécu avec Matata et tout ça, ça n'a jamais porté. Mais pourquoi vous lui interdisez les bonnes intentions? Non, mais quelles bonnes intentions? Il a dit, moi, il a donné. Non, c'est ça, des intentions. Il a fait d'ailleurs une illustration. C'est ça, des intentions. Avec la plaque. Vous vous rappelez la plaque? Il a fait l'histoire de la plaque. Quelle plaque? Oh. Mais c'était d'abord précédé d'une histoire. Il dit, il y avait là une plaque qu'on devait inaugurer, qui était là, toujours statique. L'anecdote d'un roi et tout ça. Donc, vous n'avez pas suivi. Voilà, moi j'ai suivi. Que vous ne connaissez pas, ne voilà. Commentez non, pas. Non, ça, non, moi je connais. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous gêne? Je connais la consistance de ce qu'il a posé comme problème. Il dit que depuis toujours, c'était toujours figé. Je ne suis pas obligé à suivre l'anecdote qu'il a posée avant et tout de ça. La plaque, oui. Mais le contenu de son intervention, qu'est-ce qui vous ça résumait autour de la réduction des trains de vie. Moi, j'ai dit que ce sont des débats qui n'ont jamais apporté de solution, surtout sur la scène politique, à moins que quelqu'un, parce que vous estimez qu'il est de bonne foi, mais moi, j'ai dit qu'il avait des intentions populistes, parce que dans deux ans passés, Kabound n'a pas accepté la proposition de Délice Sanga. Il a botté en touche. Et il a estimé que les députés s'étaient transformés à des agents, oui, à des assistants sociaux, pardon, qui servaient la population. Alors il fallait donner un peu du volume, de l'épaisseur à ces députés-là pour assouvir aux dépenses de la base. Donc c'est comme ça que Kabound avait défendu. Qu'est-ce qu'il a motivé aujourd'hui cette fois-ci? Beaucoup de choses ont changé dans la vie de Kabound. Il trouve maintenant que le moment est là pour se tailler. La part dans l'opinion ou la taille dans le sondage d'opinion, il estime qu'on peut maintenant tabler sur cette question-là. Mais quand on analyse sur ce qu'il a investi dans deux ans, on analyse ce qu'il a pu construire, on analyse tout le reste, vous allez vous en rendre compte qu'il en a eu à masser. Mais aussi, le débat sur la réduction de comptes, moi je dis, est-ce que c'est nécessaire? C'est ça le vrai débat. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut militer pour la mobilisation de recettes et l'accroissement du budget qui va permettre de rééquilibrer la question que moi, je devais vous poser, la question que je devais vous poser, c'est, on est dans le biscuit, là, je ne voulais pas vous poser de questions, mais je pose quand même. Oui. Qui a fait le budget ici? Ce n'est pas le gouvernement de Warrior? Justement, c'est là où je voulais en venir. Oui. C'est-à-dire, le budget a quitté d'une étape à une autre. Vous en rappelez, le budget venait à peine d'être de 6,5. Oui. Mais quand nous avons tous regardé Aimé Bogi en train de défendre le budget de l'année passée, vous allez vous en rendre compte, de cette année même, vous allez vous en rendre compte
qu'il y ait une augmentation, une majoration pendant l'exécution même du budget. C'est-à-dire qu'il y a une certaine volonté aujourd'hui dans le gouvernement d'aller de l'avant. Et vous sentez même cette politique d'anticipation que les membres du gouvernement, je dirais sous l'impulsion de lui-même, Samalou Kondé, qui estime qu'on peut améliorer la situation des employés de l'État. On a appelé ça les cadres de concertation avec le banc syndical, que ce soit pour les fonctionnaires avec dans l'ensemble. L'IAU et... Effectivement, l'IAU à Bibois et avec Tony Mouaba à Mbouila Lodge. Oui. Donc, on a estimé qu'aujourd'hui, l'État a eu un peu de l'épaisseur et qu'on peut rajouter sur l'assiette des enseignants, des fonctionnaires de l'État, une manne salariale. Et c'est comme ça qu'on peut développer un pays. Ce n'est pas en prenant des institutions, vous les videz de tout ce qu'il y a comme prestige, vous estimez que c'est cela aider le petit peuple. Est-ce que Kabonde proposerait que les députés roulent par exemple dans les petites voitures Ketch? J'aurais voulu qu'ils renoncent qu'ils aient une cantine là-bas. Qu'ils renoncent même à ces palissades. Voilà pourquoi moi j'ai dit que ce gouvernement-là, qui se bat bec angle, qui défend pour améliorer le peuple, qui veut améliorer les conditions salariales de ses employés et certains secteurs importants, qui veut lutter contre l'insécurité dans la partie Est, ne doit pas nous donner l'impression qu'il est là pour servir les institutions, notamment les députés et les sénateurs, où on estime qu'ils reçoivent déjà la part du lion, mais on y ajoute la pizza. Et on prend des arachides, des cacahuètes pourries, on donne aux enseignants. Donc on ne doit pas donner cette image-là. On doit montrer réellement que le gouvernement travaille pour le social, que le gouvernement est aux côtés de la souffrance de sa population et le gouvernement alimente à chaque fois l'assiette, je dirais, de ses employés. Et alimenter aussi les secteurs qu'on estime être comme aujourd'hui les cuivres verts, l'agriculture, qui peut aujourd'hui nous apporter beaucoup d'exploits. Donc c'est ça, je jette des fleurs, ça, je me dois de le permettre comme citoyen congolais au ministre de la Finance, qui a quand même, le ministre de Finances, excusez-moi. Kazadi. Kazadi qui quand même s'est vu dans la mobilisation de recettes. Qu'a-t-il fait Kazadi? Non, il a poussé les structures d'assiettes fiscales d'arriver, d'atteindre le... C'est pas l'effet IGF, ça? Bon, oui, ça aussi, ça joue. Ça joue. Il y a, au-delà de lui, il y a l'IGF qui l'accompagne. Non, parce qu'on sait que l'IGF y est pour beaucoup. Hein. Et aussi... Et félicitations à Jules... Comment s'appelle-t-il? Son autre Jules Alinguete. Alinguete. Voilà. Donc, du bon boulot. Nous n'utilisons pas seulement cette table pour les critiquer. S'il fait son travail... bien, il doit être félicité. Absolument. Mais si son travail, nous estimons que ça dérange et que ça n'a pas respecté les normes, nous devons quand même le critiquer. Et d'ailleurs, Alinguete qui a bénéficié cette semaine... Je me dois aussi de féliciter quand même qui encore? Aimé Bojisangara. Qu'a-t-il fait? Le ministre d'État du budget. Lui, il ne parle pas beaucoup. Hein. Oui. On ne le sent même pas, le ministre du budget. Parce que... On ne le sent même pas. Oui, bon... On ne le voit pas, on ne le sent pas. J'aurais appris qu'il est devenu c'est président du club Bukavu Dawa. Non, quoi, ça dit... ça existe encore. Ça dit les Kivusiens ont senti qu'on pouvait les primer par rapport à... Qui est mes bouges? Oui, oui. Ah non, moi, en tout cas, nous, on ne les sent pas. Par rapport à... Non, ben, attendez. Monsieur le ministre, on ne vous sent pas. Non, ça dit... Personnellement, ça dit, il n'est pas dans le populisme comme les autres le font, parce que le budget de l'État, c'est la tête. Qu'il faut arranger, c'est des paperasses, oui, mais le ministre du budget, c'est des listings, qu'est-ce qu'il a fait, le ministre il faut du arranger. Il est dans les prévisions, lui, il fait quoi? Oui, mais justement, dans les prévisions. Pour prévenir, on peut toujours prévoir autant qu'on veut. Pour prévenir, c'est le ministre des Finances qu'on peut me dire. Pour prévenir, vous devez jouer sur la traçabilité et vous devez jouer sur la rigueur. Et je crois que grâce à la rigueur et le style managérial qu'il a imposé, avec une consommation, je dirais, moindre, à la taille, des demandes, et ça permet à l'État de beaucoup garder et de avec beaucoup Cabon conserver. Et les trésors aujourd'hui, les trésors publics aujourd'hui à de l'épaisseur, on peut demander et vous recevez. Merci beaucoup. Mais il doit travailler avec Kabound pour essayer, voilà, les attributions, les allocations à l'Assemblée nationale, etc. Je reçois celui qui est dans l'attentisme de son biscuit. Bénédoudou, Jésus Bénédoudou. Abakos. Bon, bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup, Jean-Marie Cassandra. Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien. Justement. Je vais très bien, mais
j'aime aussi un petit biscuit, mais j'aimerais quand même placer un mot sur ce qu'Edmond a dit. Par rapport à Kabound ou à Bosch? Non, non, au Congo, malheureusement, puisqu'on parle de tournement, au Congo, vous êtes nommé ministre, c'est les poudres, c'est comme si un élève qui obtenait son diplôme d'État, oui, etc. Et malheureusement, cette pratique continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ça doit être comme ça? Vous savez, par exemple, Aimé Bogi. Oui. Moi, j'estime que c'est grossier. Edmond Izoub, en tant que journaliste, ne peut pas passer dans le média, commencer à jeter des fleurs aux mandataires publics. Ça ne donne pas une bonne image de nous, la presse de la RDC. Bon, j'ai vu... Bon, s'il a une base qui est contente. Non, nous ne sommes pas des militants de la base. Non, s'il vous plaît. Edmond, tu avais la parole, je n'ai pas pipé mot. Non, s'il vous plaît. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Oui. Vous êtes militant d'un parti, vous êtes cadre d'un parti. Vous n'avez, il y a l'équipe Bukavu existait depuis des lustres. Bukavu d'abord. Et une fois vous êtes ministre, vous devenez président d'un club. De quel droit? Et quand vous ne serez plus ministre, et puis c'est fini, il part. J'ai posé donc, la même question à Ngoï Kassange. Mais justement, où on est? Ça va pas l'aider. Voilà, nous avons une jurisprudence. Il n'y a pas que Ngoï Kassange, il y en a plusieurs. Une fois aux affaires, une fois DG, une fois gouverneur, vous êtes président d'un club. Et donc, vous nourrissez ce club avec quoi? Avec l'argent du trésor public. Et plus grave, j'apprends que Edmond Bogi, j'ai suivi un reportage, il a créé un mutuel de santé, et une mutuelle de santé des enseignants du Nord Kivu. Ah bon? Et du Sud Kivu, excusez-moi. Mutuelle de santé? Mutuelle de santé. Ministre. En quelle qualité? Jean-Lélo, je ne sais pas. Notable, cadré. Mais ces cadres, le fonds sort. Jean-Marie, ça fait très mal. Je vais prodiguer un conseil à Kaméré, oui, depuis la prison. Prochainement, dans les tractations politiques, oui, il ne faut plus qu'il négocie les postes du ministère du budget. Pourquoi tous les ministres du budget de Kaméré deviennent de... Vous avez compris? Comment on appelle ça? C'est pas de Nabab. Hein, c'est comme si ce poste à l'UNC... Tous les ministres du budget. C'est un poste hanté. À la fin, on tourne le dos à Kaméré. Je commence par Kangoudia. Oui, Kangoudia, oui. Kangoudia, quelles sont les relations aujourd'hui entre Kaméré et Kangoudia? Les suivants. Mais je ne vous cite pas l'ami d'Edmond Izouba. Comment il s'appelle? Et vous connaissez très bien. Les tout derniers. Les tout derniers avant Bogi. Oui. Quelles sont ses relations avec Kaméré aujourd'hui? Maître. C'est un maître. Voilà, un maître. Et puis aujourd'hui, c'est Bogi. Oui. Mais il semblerait... Mais Bogi était doux avant. Ah ben justement, c'est pourquoi je dis, c'est comme si le ministère du budget pour lui était tenté. Requinque. Selon nos câbles, comme dit Yves Bouya, oui, il serait déjà un pied dedans, un pied dehors de l'UNC. Bogi aussi. Il y a de l'eau dans le gaz entre... Bogi aussi. Il y aurait de l'eau dans le gaz entre lui et Kaméré. Et donc, il faut suivre de près. Donc, il ne faudrait pas nous chanter des nouveaux riches ici. Il y avait un ministre, non, non, il y a des rituels. Non, mais pourquoi depuis longtemps, il n'était pas président d'un club? Moi, je crois que ce sont des choses à décourager. Autant que nous disons aujourd'hui, le train de vie des institutions, et notamment des députés, doit être réduit. Autant que nous disons, on ne veut pas voir quelqu'un qui, on ne sait pas... Et surtout, un ministre, comment il devient riche? Ah, c'est ça la bonne question à poser. Et donc, c'est l'argent du trésor public. Je dis toujours, on n'a pas besoin de regarder le ciel pour savoir d'où provient la pluie. Merci. J'aimerais rapidement utiliser mon grignoter mon petit biscuit. Oui. Non, l'entreprise des fake news se porte bien, malheureusement. Les fake news. Mais malheureusement, on se réveille un matin, c'est une fake news qui sort je ne sais pas où, malheureusement relayé par certains journalistes. Et on appelle ça détournement. Que Bifort Bicelele serait arrêté au Rwanda. Non, en fuite. Non, d'abord c'est en fuite, et puis arrêté au Rwanda, et puis etc. Nous sommes journalistes. Mais il est de retour. Il faut quitter le journalisme de paresse, Jean-Marie Kassamba. Le journaliste, ce n'est pas celui qui est dans sa chambre et qui crée une information pour faire buzz, il les publie. Non, il faut avoir des sources crédibles. Il faut rencontrer, il faut descendre sur le terrain, il faut se renseigner. Je dis ici que c'est une fausse information. Les conseillers privés du président de la République n'est ni en fuite, ni en exil. D'ailleurs, il est déjà de retour. Il était en mission. À Kinshasa, il était en mission. Mmh. On bombarde une affaire de mines, 30 millions de dollars ou 50 millions. Il serait trompé, et entendu, je ne sais pas, par un pseudo, etc. Je crois qu'il faut rétablir la vérité. C'est de notre devoir en tant que journaliste. Rien de tel ne se fait. Moi, j'ai eu à contacter ses proches et même lui-même. Et je me suis renseigné en tant que journaliste. C'est une fausse information. Il était en mission, il est rentré. Il n'a jamais... D'abord, c'est un monsieur discret.
Ceux qui même concoctent les fake news, je ne sais pas s'ils ont eu accès à ces messieurs-là. Effacés, discrets, ils ne s'illustrent pas dans des bêtises, surtout pas dans ces histoires des mines. Je les connais. Exactement. C'est et donc, un ami à moi tous ceux qui l'ont côtoyé ne peuvent même pas donner du ami crédit à, moi de à ces bêtises. Et nous, en tant que journalistes, Jean-Marie, nous devons décourager ce genre de pratiques. Il y a des histoires qui se créent comme ça, et même des journalistes, des renoms qui relayent. Tout récemment, on avait suivi Amnesty International qui recadrait un journaliste pour dire « Messieurs, ne m'engagez pas dans vos fake news. Oh, les confessions religieuses seraient corrompues à hauteur de 75 millions de dollars par confession religieuse, source Amnesty International. » Un recadrage rapide sur Twitter. Et qu'est-ce qu'on fait de sa crédibilité? Malheureusement, c'est le journaliste qui... Vous avez fini votre biscuit? Je termine mon biscuit, Jean-Marie. Et je pense que je plaide pour un débat républicain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, écoutez, on revient maintenant. J'accueille, alors, pour terminer, Merveille. Je croyais que j'étais oublié. Ah non, du tout. Parce que... Lui, il a déjà réglé cette affaire du ministère de Mines. Ah, là-bas, le secrétaire c'est... général est revenu? Non, il n'est pas encore... On l'a réhabilité? Il n'est pas encore revenu, mais ici, je ne suis pas venu parler de ça. Et surtout, je prends en compte les observations de l'honorable sur les biscuits. Et surtout qu'aujourd'hui, c'était un grand jour... où nous avons un sujet très important qui, moi personnellement, en tant que journaliste de la RDC, me révolte. Cependant, moi, je ne vais pas entrer dans les débats des politiciens. Je vais juste, en 30 secondes, placer un mot sur un cri de détresse de la population du quartier Dumez, dans la commune de... Il y a de monde à foule en face de la Cité Verte à Kinshasa. Il y a un problème d'érosion. Il y a un camp français juste en face de la Cité Verte. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. C'est près de la route Matadi. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette quartier? Il y a... L'érosion. Il y a érosion. Qui risque d'atteindre la route Matadi au niveau de la cité. Juste la route nationale. La route nationale numéro 1, juste après les camps Badiading. Et la population, en tant que journaliste... Le gouverneur vous suit, hein? Le gouverneur nous suit, et surtout que le gouvernement avait déjà déboursé l'argent à l'époque avec les ministres des infrastructures. On avait même entamé déjà les travaux, mais subitement les Chinois ont arrêté. Et avec les Chinois travaillent sur du cash, hein? Si on avait arrêté de payer... Ils ont arrêté, et selon les informations, il semblerait que les choses seraient bloquées au niveau de l'OVD. C'est ici que j'interpelle. En fait, les responsables... Les DG Ntumba. Voilà. Mais en tout cas, comme Belédou l'a dit, je plaide également pour un débat républicain parce que aujourd'hui, le sujet est vraiment très important. Nous devons analyser avec beaucoup de responsabilité. Je commence par John Lungila parce que j'aurais voulu être co-débatteur que, on va dire... présentateur et en même temps policier du débat. On fait la permutation, alors. Ah non, je vais mais pas pour le moment. D'abord, comment vous avez accueilli cet énième spectacle, on va dire, d'une certaine presse sur la République démocratique du Congo? Moi, je me rappelle que lorsque la presse zaïroise de l'époque avait soulevé la question du contentieux belgo-congolais, belgo-zaïrois, on a fait venir à Bruxelles Pinga Kassende, le gouverneur de la Banque centrale Samboa, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, pour discuter avec la presse belge sur les contentieux avec la Belgique. Et tout ce que la délégation que Mobutu avait dépêché à Bruxelles, tout ce que les Congolais disaient, le Belge disait non, ça appartient à l'histoire, on ne veut pas y revenir. Jusqu'à ce que le roi marocain Hassan II, à son temps, était dépêché comme médiateur pour mettre un peu de l'eau temporairement dans le vin pour que le Congo et le Zaïre et la Belgique se remettent sur le pied. Comment vous avez accueilli ce qu'on a appelé Congo Hold Up? Je vais vous répondre avec beaucoup d'arguments puisés dans l'histoire et même dans la science. Oui. Ça fait 15 ans, il y a un auteur français, Laurent Gervéraud, il n'est pas congolais. Il avait publié un ouvrage intitulé « La construction imaginaire du monde à travers les médias internationaux ». Il avait pris l'échantillon de la RFI, TV5,
France 24, CNN, il y en avait 5. BBC. Parce que j'ai travaillé, BBC. J'ai travaillé sur l'ouvrage parce que moi, j'ai travaillé sur la même thématique, mais au niveau national. Et la construction imaginaire de la réalité du Congo à travers le média congolais. Si vous lisez cet ouvrage de Laurent Gervérot, que je salue, un constructiviste comme moi, il est clairement écrit parce que c'est un blanc, mais qui ne se comporte pas comme tout le blanc, que tout ce qui est présenté à travers le média n'est que fruit d'une construction qui répond à un objectif. Parce que même le journal que vous diffusez sur Télé 50 ne répond pas toute la réalité congolaise. Non. Ça fait le choix, ça sélectionne. Et cette sélection obéit à un principe. Si on insulte Kabila, ça ne passe pas à Télé 50. Comme sur la RTNC, si on s'attaque au régime, ça ne peut pas passer. Cette sélection obéit à un principe et ça ne peut pas passer à côté. On appelle ça ligne éditoriale. Laurent Gervérot l'a dit. Et c'est comme ça que nous, Congolais, et même les non-professionnels, doivent suivre nos médias. Quand ils suivent tout ce qui est diffusé à travers le média, ils doivent avoir ces principes en tête. Tout ce qui passe dans le média, c'est une sélection qui obéit à un objectif. Ça fait plus de 60 ans. On nous a dit que Simon Kimbangu était un faux prophète. Oui, un faux prophète. On n'a jamais cru à Kimbangu. Un charlatan. Aujourd'hui, nous tous, nous allons à Nkamba. Nkamba, nous incliner. Parce que nous avons compris que c'est le vrai prophète. Même le chrétien qui niait, aujourd'hui, nous tous, nous allons. Il y a Lumumba. On a convaincu le Congolais des années 60 que c'était un monsieur qu'il fallait vilipender, qu'il fallait. Un communiste. Il n'y a jamais eu de mouvement, de revendication contre l'assassinat de Lumumba. 5 ans après, 10 ans après, mais tous ces mouvements de revendication sont intervenus au-delà des 40 ans, 50 ans, parce qu'on a finalement compris qu'en fait, le combat de Lumumba était pour défendre les intérêts de la République. Et rien n'a changé. Parce que si on le fait, si on l'a fait hier avec Mobutu, avec Assavoubou, avec Lumumba, avec Kabila, demain, ils le feront avec Tshisekedi, demain, ils le feront avec les successeurs de Tshisekedi, parce que tout passe par l'intérêt, pas de Congolais, des Occidentaux. Nous avons parlé à un moment donné de Kabound ici, on a dit, monsieur Jean-Marc Kabound, faites attention aux costumes, faites attention à ceci, faites attention aux audiences, parce que ces gens-là, ils viennent, mais ils viennent pourquoi ? Pour avoir des informations. Ils vous regardent. J'ai vu cet échantillon. Cette mobilisation. Oui. Cette mobilisation médiatique. Nous, en tant que journalistes, nous sommes innocents dans tout ça. Face à cela, on est comme des Congolais normaux. C'est comme si c'est une histoire qui nous surprend. C'est comme si on ne connaît rien, on ne maîtrisait pas. On est un peu comme des idiots. Alors que ce n'est pas vrai. Nous devons avoir le courage de porter ces costumes nationalistes pour faire voir à ses confrères internationaux qui sont dans les faux. Sonia Rollet n'est pas une journaliste, il faut qu'on se le dise, c'est un agent de renseignement. Ici chez nous, elle ne vient pas pour collecter, traiter, diffuser l'info du Congo. Elle est ici pour protéger, défendre, veiller sur les intérêts des non-congolais. Et si elle est à la base de cette enquête concoctée, pas contre Kabila, Kabila peut mourir aujourd'hui. Mais on ne parle pas de Kabila Joseph, on parle d'un président honoraire. C'est le Congo qu'on veut salir. Hier, c'était Lumumba, c'était Simon Kimbangu. C'était Mobutu. Mobutu. Toche de l'opale, il y avait l'argent plus que Kabila. Le budget national. Bref, tous ceux-là qui ont servi la République dans le passé, ils sont mauvais. Donc aujourd'hui, on veut nous dire qu'il n'y a que Tshisekedi qui est bon, parce qu'il est au pouvoir. Parce qu'il doit répondre à certains besoins. Pour moi, Jean-Marie Kassamba, c'est un chantage contre le régime actuel. En fait, ce n'est pas Kabila qu'on veut salir, mais c'est un chantage qu'on veut faire contre Tshisekedi pour le faire voir, monsieur. Si vous ne... Je parie en tout cas qu'il y a des dossiers en souffrance. Il y a une pression quelque part sur notre pays et on veut faire chanter à Tshisekedi
Bah, Kabila n'est plus au pouvoir, il est parti, ça fait 3 ans déjà, il a cédé le pouvoir, il ne gère plus ses pays, et il n'est même pas contre Tshisekedi. D'ailleurs, Kabila est entré en contradiction avec les siens pour laisser Tshisekedi travailler, gérer, servir ses pays. Il n'a jamais pu paiement contre quoi que ce soit. Pourquoi on veut l'en vouloir? Ce n'est pas Kabila, c'est le Congo, oui. C'est le Congo qu'on veut, et c'est surtout le chantage qu'on veut faire sur le pays. Merci beaucoup. Alors, Chorien Kankou, depuis un certain temps, il y a des choses qui choquent. On publie des bilans à Beni, à Ituri, chaque jour des tueries. On commence à parler, voilà, l'entourage de Félix Tshisekedi est dans le mining. Allez, je vais le citer. Vidier Chimanga, il traite avec les Russes, traite avec les Canadiens. Il y a un train de vue de budget là, qui sont dépassés, enfin, débordés au niveau du président de la République. Aujourd'hui, c'est Kabila, l'homme qui a pompé, ils ont dit combien ? 138 millions de dollars. Comment un Congolais peut comprendre tout ceci ? Bon, merci beaucoup. On a même sorti une lettre que Félix Tshisekedi a écrite à Poutine. Merci beaucoup pour la question, mais vous allez quand même permettre une minute, 30 secondes. Vous voulez recadrer quelque chose ? Pour que je recadre quelque chose, c'est très important. Vous adorez Kaboul, que... Non, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-le. Calme. Tolérance. Je suis en train de gérer mon temps d'antenne, monsieur. Tolérance. Je gère mon temps d'antenne, soyez calme. Tolérance. Hein? Vous ne serez pas frustré, ça je peux vous rassurer. Alors, 15 000 dollars, parce que c'est les chiffres. Avancez ici. 15 000 dollars. Mmh. Est-ce normal que l'enseignant soit payé 180 dollars? Non. Et les autres touchent 15 000 dollars. Il y a même quelqu'un qui a utilisé un mot fort ici pour dire institution budgétivore. C'est moi-même. Et si quelqu'un, Jean-Marc Kabound, parce que c'est de lui qu'il s'agit, trouve que ce n'est pas normal, si moi, Kabound, je touche 200 000 dollars comme frais de fonctionnement, qu'on divise ça en deux. Que ce Sanga ait dit ça. Et Kabound revienne là-dessus pour insister. Bonne chose. Où est le mal? Il n'y a pas de mal. Où est le mal? Non, il n'y a pas de mal. Est-ce que tout simplement parce que ça sort dans la bouche de Kabound, il faut dire, il y a de cela des ans, pourquoi il n'avait pas dit? Non, mais la vérité n'a pas de camp politique. C'est pas tard de revenir à la raison si on s'était trompé il y a quelques mois. Oui. Donc voilà pourquoi moi je trouve que la réduction des trains de vie des institutions, concept que Eric donne un contenu, oui. Et il pense que c'est seulement lui et ses Sanga qui ont le monopole de la connaissance du contenu de ces concepts. Les autres, notamment les Kabound, qui peuvent aborder la question, ne connaissent absolument rien. C'est quand même de l'arrogance et on doit éviter des choses comme ça. Avancez. Voilà pourquoi avancez. Je pense que c'est important. Qu'il y ait vous avez les cadres. Vous avez les cadres. C'est bon. Alors maintenant, vous parlez de cette histoire de Congo Hold Up. Vous savez, Jean-Marie Kassama, moi je suis un panafricaniste convaincu. Je suis un panafricaniste convaincu. J'ai toujours été convaincu, encore une fois, que l'Afrique, cette Afrique, dans l'état actuel où elle se trouve, ne peut pas facilement s'en sortir devant les grandes puissances occidentales, que ce soit la Chine, elle n'est pas occidentale, excusez-moi, les États-Unis et toutes les autres puissances du monde. L'Afrique ne peut pas s'en sortir à l'étape qu'elle se trouve aujourd'hui. Parce que nous avons des micro-États, des nano-États, des États qui ne représentent absolument rien. Lorsque vous prenez, par exemple, le budget... Comme a dit Gbagbo. Voilà. Comme a dit Laurent Gbagbo, j'avais beaucoup aimé c'est la vidéo de Laurent Gbagbo. Oh, mon collègue, mon homologue. La vision du monde. On n'est pas homologue du tout. Voilà. En ce qui concerne l'Afrique, vous prenez le Gabon, on a vu dernièrement ici, Ali Bongo en France. Vous pensez réellement que Macron, tel qu'il est là,
Il s'est dit, non, avec Ali Bongo, c'est vraiment mon homologue, nous tous on est président. Non, ça c'est de l'heure et on se trompe comme ça. Alors, voilà pourquoi je pense que aujourd'hui, dans l'état où se trouve l'Afrique, il sera difficile à ce que l'on fasse, on puisse faire face à tous ces puissants médias. Et médias, il faut seulement regarder, par exemple, ici dans notre pays, mais ces médias-là peuvent venir facilement déployer des panneaux publicitaires un peu partout, ce que nous, on ne peut jamais faire. Est-ce que vous savez, en Angleterre, est-ce que vous savez qu'il y a, est-ce que vous savez qu'il y a un accord entre la RDC et la France pour les déploiements des médias? La RTNC devait être dans la zone, comment dire, la région parisienne, par exemple, sur la bande FM. Rien. La RTNC devait être dans ce qu'on appelle la TNT en Europe. Rien. Mais vous allez voir TV5, RFI même sur la bande FM, France 24. C'est tout à fait normal. C'est une domination culturelle. Est-ce qu'un journaliste de Kinshasa peut aller à Paris faire des enquêtes sur le fonctionnement de la ville de Paris? Ça ne peut pas se faire. Alors, nous sommes, en dehors de cela, nous sommes dans un contexte de liberté de presse, d'expression. Cela veut dire que Der Spiegel, les soirs, RFI, France 24, ils peuvent se retrouver dans un groupement de médias pour faire des enquêtes et publier les résultats de leurs enquêtes. C'est leur résultat. Ils peuvent publier les résultats de leurs enquêtes. Nous, de notre côté, quel peut être le rôle que nous pouvons faire en tant que médias aussi? C'est d'essayer de prendre, d'analyser, de scruter un peu les fonds. Qu'est-ce qui est dit là-bas? On nous parle de 138 millions de dollars. L'argent qu'aurait emmagasiné, encaissé les clans Kabila, parce que c'est ça le concept. Et ils ont utilisé les conditionnés. Ils auraient. Ils nous parlent de 3 millions de documents. Est-ce que d'abord, comment on peut transporter 3 millions de documents dans un conteneur qu'ils ont obtenu par des moyens différents? Ils ont contacté des banques, des personnes ressources, et ils ont compilé tout cela pour nous produire ces rapports. Alors, la question, c'est que lorsqu'on parle de 30 millions des documents, les 30 millions de dollars qui seraient tombés dans un compte d'une société, Sud Oil, est-ce que cela est vrai ou faux? D'abord, je vous coupe un tout petit peu et ça me fait beaucoup rire. On dit que la société Sud-Oil serait dans une cave. Un garage. Au garage de Télé 50. Oui, j'ai vu ça. Vraiment, chers téléspectateurs, vous me suivez à travers le monde. À la Télé 50, il n'y a pas de garage. Je garde ma voiture dans la rue devant mon bâtiment. Ça, c'est d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire, il y a des Chinoises qu'on a arrêtées dans l'autre adresse où il y avait Télé 50. On dit que c'est entretenu par Télé 50. Des grâces, Télé 50, c'est véritablement la chaîne la plus suivie, la plus populaire. Mais n'associez pas tout et son contraire à Télé 50. Et donc, déjà, si cette enquête parle d'une société qui est hébergée dans une cave à Télé 50, mesurez le sérieux de nos confrères. Continuez. Alors, ils ont parlé des chiffres, beaucoup de chiffres. L'argent qui provenait des Foller est tombé dans les comptes BGFI Bank, de Sud Oil. L'argent qui provenait de l'ONU est tombé dans les mêmes comptes. Sud Oil, la société-là, créée en 2008 par M. Kindolo, un homme d'affaires que nous connaissons dans ce pays. Sérieux? Il reste maintenant aux journalistes congolais de se pencher là-dessus pour essayer un peu de mettre en parallèle tous ces faits révélés, tous les chiffres donnés, afin de savoir si effectivement il est question de Kabila bashing. Et moi, je n'ai pas aimé ce que les autres ont dit. C'est vrai que les gens qui aiment Kabila trouvent cette situation, ils la trouvent saumâtre, et ils ont dit beaucoup de choses. J'ai lu même des articles, des communiqués publiés par l'équipe de communication du président Kabila. Il y a certains qui pensent que
Félix Tshisekedi serait derrière ces rapports. Il n'y est pour rien. Alors, si cela vient de Jean-Marie Kassamba, les Congolais vont comprendre. Absolument. Effectivement. Et je peux vous dire, et vous allez peut-être conclure par là avant que la parole tourne. Félix Tshisekedi, l'UDPS n'y sont pour rien. C'est tout simplement du Congo bashing. Parce que le même Tshisekedi est déjà dans les collimateurs. Et je sais de quoi je parle. La même UDPS est déjà dans les collimateurs. Quand vous voyez déjà les mining dont on parle, la gabegie, les détournements, les dépassements des budgets, le train des vies, on parle bien de Tshisekedi là. Et donc, je ne pense pas que Tshisekedi a le temps de commencer à concocter, boutiquer des choses avec ces journalistes qui vont le mettre dans les collimateurs dans pas longtemps. Alors, moi, pour conclure, je pense que nous ne devons pas prendre ces rapports comme parole d'évangile. Nous, en tant que journalistes congolais, nous allons aussi nous y pencher sur les contrats miniers, essayer de voir est-ce que les tous miniers. Les documents qui sont publiés, tous les chiffres qui ont été donnés, les personnes qui ont été citées, les adresses qui ont été données, sont-elles vraies à Télé 50. ou fausses? Donc c'est ça maintenant le rôle des journalistes congolais, le rôle que nous allons faire. Et en ce moment-là, on pourrait se présenter devant l'opinion pour dire oui, ce rapport-là est vrai ou il n'est pas vrai. Merci. Donc on ne peut pas prendre ça comme parole d'évangile. C'est à nous maintenant de mener aussi des investigations pour en avoir le cœur net. Merci beaucoup, Izouba. Vous avez une dimension économique aussi dans vos analyses. Oui, j'ai eu même à exploiter les rapports parce que ça faisait l'actualité. La rédaction a estimé que c'était important d'en exploiter. Mais quand j'ai eu l'intégralité, vous savez, la première qualité d'un bon journaliste, c'est les doutes. J'ai mis les doutes de l'avant pour essayer un peu de... Qu'est-ce qui vous a fait douter? D'abord, ça m'a rappelé une fatwa qui venait d'être publiée autour de 20 millions de mines d'or qu'aurait acquis Fortuna Bisselet. Oui. Mais l'information est sortie d'où? Mine d'or. C'est Jean-Jacques Wondo qui sort l'information. Et c'est comme si la population est déjà préparé à être manipulé et n'attend que ça pour véhiculer et commencer à distribuer cette information. Donc vous voyez, Bisselele en train de monter une opération de 20 millions de Imaginez. Dollars à Freeland et ils vont là dire bah, 1 million maman marche, 1 million, 3 millions, on a acheté la maison pour tu sais qui. J'ai beaucoup aimé la définition de John autour de participants de cette enquête et aussi l'intervention magistrale de tout à l'heure de mon confrère charlatan, ça veut dire dans une opération de manipulation, ça peut être des écrits, ça peut être des vidéos, il faut savoir distribuer, séparer les cartes. C'est-à-dire, il y a, parce que le manipulateur, c'est quelqu'un qui est très intelligent, soit il est des services de renseignement, il peut lancer ce qu'on appelle les ballons d'essai. Nous avons vu dans le passé, il y avait des rumeurs, des fake news, mais vous avez l'apparence que c'est vrai. Parce que justement, les manipulateurs utilise 40%, pardon, 30% de la vérité. Il utilise 30% de l'intention et il prend 40% de mensonge. Voyez cette histoire de Fortuna Bisselele. Oui. On met le précaré du président de la République. On prend Danny Banza. On prend Fortuna Bisselele. On prend Guy Luando. On prend celui-là encore, comment il s'appelle? José Panda. Oui. Et pour lier l'utile à l'agréable, on met les chefs de l'État, on met Sam Aloukonde. Donc, ça donne l'apparence que tout est vrai, tout le est bien clic, donc le poche du chef Et les gens commencent à croire ça sans analyser. Et on dit que Bisselele a fui par l'aéroport dans un avion cargo. Dans un avion cargo. Et Dieu aidant, Fortuna Bisselele est de retour, parti en mission officielle. Donc, vous voyez. Donc, cette histoire de la justice populaire me rappelle encore le procès Vital Kamerhe. Comment la clameur avait envahi tout le monde. Et on a diabolisé Vital Kamerhe. Personne ne voulait même réfléchir. Personne. Et aujourd'hui, quand vous revenez maintenant sur le même dossier, on demande, analysons froidement. Mais maintenant que Bisselele est de retour, les gens qui ont publié ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et dans l'espace de 4 jours, l'information a été tuée. Maintenant, on prend cette histoire de Congo Hold-up. Oui, des Kabila, les pauvres qui ne parlent pas. Je suis un journaliste. Heureusement, un journaliste d'investigation. J'ai aussi à publier des enquêtes. Bien que
ça n'a pas été rendu populaire comme... parce qu'ils ont les médias. Ils ont le grand média, ils estiment qu'on peut encore... Sonia sur France 24, sur TV5. D'abord, ils ont pris, on prend les timings, c'est 9 mois. Dans 9 mois, 19 ou une dizaine de médias et ONG. 19 médias et ONG internationaux, ils nous ont prouvé leur capacité d'analyser, d'étudier 3,5 millions de documents. Donc ils faisaient que ça. Ils ne faisaient que ça. Donc pendant que Sonia Est-ce qu'on peut analyser le jour de suivre les manifestations ici et les élections. Il tournait là-bas, des fois elle allait à Goma et tout ça en même temps, on veut nous faire croire que ils étaient dans ces dossiers-là. Combien de dossiers étaient exploités le jour? Moi, je pose seulement des questions. Je note pas dans le contenu. L'usage du conditionnel. Partout. Partout le conditionnel. C'est pour éviter le procès. C'est pour éviter le procès. Et moi, je sais que ce document-là n'a pas été authentifié. C'est pas des documents authentiques. Sinon, si c'est authentique, qu'ils nous prouvent à suffisance leur source viable à la BGFIBank qui a sorti tous ces documents, toutes ces piles. On dit que ce sont des documents volés. Ils ont volé. Des documents volés. Oui. Et c'est une infraction très grave. Nous l'avons étudié, nous tous. Recel de documents. Oui. Il y a deux agents de la BGFI qui croupissent ici en prison. À cause et à Freeland de cette histoire avait de vol plainte, de documents. Et à Freeland avait porté plainte pour recel aussi de documents. Effectivement. Deuxième chose, troisième ou quatrième, je n'en sais pas, on nous parle de Lumumba. Mais on sait que Lumumba et le reste des témoins, permettez-moi l'expression, ont été soudoyés. Recrutés, soudoyés. Et on a même promis des papiers, des avantages en Europe. Mais je pose toujours des questions. Toujours pas de papiers au dernier moment. Quelles étaient l'intention, je dirais, des enquêteurs? Parce qu'ils annoncent qu'il y en aura encore d'autres qui vont encore. Ils ont annoncé, je crois, 12. Chaque semaine, nous allons nous habituer et tout ça. Non. Non, non. Ça veut dire quoi? Ici, il y a cette volonté manifeste de distraire l'opinion. Qu'on ne puisse pas permettre l'opinion de regarder de l'avant. Pourtant, nous-mêmes, Congolais, nous savons que les chiffres de 138 millions là, qu'on dit que l'empire de Kabila, on parle de l'empire de Kabila, mais on met en avant-plan Kabila, et c'est son visage. Quelle est l'intention pour nous de nous faire revenir dans le débat actuel, le nom, le visage de Kabila? Pourtant, dans le contenu de l'enquête, on parle de ses proches. On parle des gouverneurs de banque centrale, on parle de gouverneurs, mais parlons de ces gens-là séparés de Kabila. Ils sont même en activité. Nous-mêmes, les Congolais, nous savons, les chiffres que vous avez avancés là, c'est un chiffre moins que nous, nous connaissons. C'est au-delà de ça. C'est que le régime Kabila pillé dans ces pays, c'est plus que ça. Je parle bien du régime. C'est plus que ça. Ce n'est pas ces chiffres-là de 180 millions de dollars. Et au-delà de ça, nous-mêmes, Congolais, citoyens congolais, nous l'avons déjà sanctionné. On a sanctionné Kabila. Nous sommes allés aux élections, on a dit non, plus question du régime Kabila, plus question de Kabila. Et nous-mêmes, nous l'avons sanctionné par un vote. Et vous nous ramenez ces débats-là et vous nous promettez encore... Distraction. C'est une vaste distraction. Voilà pourquoi j'interpelle le président de la République de ne pas se distraire autour de ceux qui sortent dans le sondage, médias, ainsi de suite, 2 millions, 20 millions, carrés miniers. On parle même de cette histoire de Fortuna Micellel, 20 millions, sans que les dossiers n'aient passé par les camis, les cadastres miniers et tout ça. On ne présente aucune preuve. On dit la famille et de Tshisekedi. On nous demande de croire dans ça. La famille de Tshisekedi serait maintenant à Lualaba, installée là-bas, imaginez, ils sont dans les mines. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont compris que le Congo essaie un pays d'illustrer. Oui, d'avancer. Le Congo veut avancer. Vous voyez, qu'on ne nous cherche pas aujourd'hui le bouc émissaire ou qu'on estime que ce dossier pourra aider le bouc émissaire pour le président de la République d'arrêter celui-là. Non, le président doit rester focus vers le développement. Il y a des priorités qui l'attendent. Aujourd'hui, nous sommes à 2 ans des élections. Si le président se perd ou l'UDPS estime que c'est le moment pour eux de s'entrer dedans et d'estimer... Non, on est déjà avancé. On a mis les mécanismes en place. On a mis des structures qui fonctionnent. Il y a IGF qui fait le travail. Et qui met la pression
pour les assignations soient atteintes. Et de l'autre côté, les ministres de finances, budget, ainsi de suite, enseignement, gratuité. Et on avance. Cette histoire, ça nous a distrait dans le passé. Pourquoi dans le passé, ils n'ont pas publié quand Kabila était là? Nous-mêmes, nous avons eu à les dénoncer. Et ce qui a tué Kabila, et ça, maintenant, j'interpelle Félix Tshisekedi, c'est l'impunité. Aujourd'hui, Kabila est en train de payer pour ça. Et je regretterai demain que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, paye aussi. Qu'on dise ses proches. Et le même sang, oui, qu'on dise le proche, oui. Qu'on dise ainsi, patati patata. Donc on sait qu'en parlant de proches, on ne vise pas le proche, mais on vise directement le chef de l'État. Samalo Konde, c'est qui? Alors, Danny Banza, c'est oui, qui? Oui, imaginez. Donc on vise le chef de l'État. Donc c'est le chef de l'État dans ce dossier de 20 millions. Farfelu a inventé de toutes pièces qui est visé. Et dans ce dossier ici, on vise Kabila. Et si réellement il y a des preuves, ramenez-les à la justice va faire le travail. Et je ne pense pas que l'IGF qui est aujourd'hui là, qui peut-être n'a pas voulu enquêter sur ces dossiers, ne connaît pas ces histoires-là. Merci peut-être qu'elle est au courant. Donc, que cesse cette distraction. Cette histoire de justice populaire ne nous amènera nulle part. Que le président avance avec ses projets, parce que le temps est là. Il sera jugé sur base de ses promesses et de ses réalisations. Merci un beaucoup. Point barre. D'où Jésus Belletou. Jean-Marie, moi je vais peindre peut-être un autre tableau d'analyse, contrairement à ce qu'ont fait mes confrères. J'aimerais d'abord rencontrer John Lungi là pour dire ce n'est pas parce que le nom d'un ancien président de la République se retrouve sur un rapport ou sur une enquête que cela devient un acharnement ou que cela appelle à une question de patriotisme, nationalisme, etc. Non, je crois qu'à un certain niveau, il faudrait regarder aussi ce qui se fait chez les autres, en Afrique comme ailleurs. En France, par exemple, au moment où Matata Ponyo s'est retrouvé devant la Cour constitutionnelle et que la Cour s'est déclarée incompétente s'agissant de sa juridiction, Benjamin Netanyahou était à la barre en Israël. C'est le Premier ministre, c'est l'équivalent du président de la République. Il a géré et il s'est retrouvé à la barre pour des raisons de corruption. Est-ce que vous savez, vous allez continuer, est-ce que vous savez, je vous donne juste un exemple, si vous nous suivez à pression, est-ce que vous savez qu'en Israël, tout argent qui entre, quelle que soit sa nature, il reste. Et qu'Israël s'est toujours enrichi avec le pétrole des autres, les diamants des autres. Vous entrez dans les contenus, mais moi je vous parle d'abord de la forme. Oui, la forme. Et donc, il était devant les juges. Sarkozy, c'est un ancien président de la République. Il est mauvais condamné. Exemple. Non, s'il vous plaît. Exemple. Ce n'est pas un mauvais exemple. L'argent de Kadhafi. S'il vous plaît. Je vous parle de cas de présidents qui se sont retrouvés après leur mandat devant la barre. Et donc, Sarkozy s'est retrouvé. Il y a eu plusieurs rapports des journalistes. Et puis, la Cour, le procureur s'est auto-saisi du dossier. Sarkozy est condamné en 2021, 3 ans de prison, 2 ans avec sursis, pour le fait de corruption. Et donc, si j'évoque ces différents cas, Jean-Marie Kassamba, c'est pour revenir à une leçon. La leçon, c'est quoi? Lorsque vous êtes aux affaires, il faudrait être effectivement au service du serment que vous avez fait vis-à-vis du peuple congolais, parce que votre gestion d'aujourd'hui pourrait vous rattraper demain. Aujourd'hui, on parle de Kabila. Hier, on a parlé de Mobutu. Mais lorsque Kabila était au pouvoir, effectivement, il y a eu plusieurs voix, c'est ce qui s'était levé, s'agissant des questions de détournement, etc., etc. Et moi, personnellement, Bélédou, en tant que journaliste, le rapport de ce groupe ne m'étonne pas. Je ne ferai pas le procès de médias internationaux, non, je ne ferai pas leur procès, mais je constate simplement qu'il y a certains éléments pondus dans ce rapport qui, effectivement, prêtent à une crédibilité. Pourquoi je le dis? Kabila, c'est quelqu'un qui est à fond, le plus à fond de tous, il ne parle pas, j'admire d'ailleurs son silence. Mais j'ai vu un communiqué, j'ai vu une consoeur à nous, que je connais très bien d'ailleurs, qui a fait un démenti, disons-le comme ça, d'abord sur Top Congo, puis dans les médias, s'agissant de cette question-là.
C'est une première. En tant que journaliste, on s'est dit, eh bien, si Kabila, qui reste le plus silencieux, s'agissant des questions, il est imperturbable. Et là, il y a une réaction. Et puis, la réaction, elle est instantanée. Nous, en tant que journalistes, le flair journalistique que nous avons s'apprête du crédit à ce rapport. Parce que la réaction, elle était instantanée. C'est un peu comme à l'époque, il y a eu le scandale autour du président de la République, Gisèle, etc. Qu'est-ce qui a crédibilisé le tout? C'était un communiqué venant de la présidence de la République, la maison civile du président de la République, qui a ramené tout le monde à l'arbre à palabre, et ça coupait l'herbe à tous ceux qui disaient que les chefs n'est pas concerné par ces histoires. Et donc, si j'évoque cela, c'est parmi les éléments qui prêtent à crédit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'estime qu'il ne revient pas aux journalistes que nous sommes de blanchir Kabila ou de le condamner s'agissant d'un rapport. Ce n'est pas notre tâche. Par contre, si, comme on le dit, nous voulons être nationalistes, comme on le dit, nous voulons effectivement condamner ou bien répondre à ce que le confrère ont fait de RFI, etc., il faut commencer également par produire des documents, par mener des enquêtes, par faire une contre-enquête de ce que les autres ont fait avec des éléments à l'appui. Je peux poser une question. Exactement. Si demain, d'où Jésus Bénédou, un bon journaliste, débarque à Paris et va faire un rapport sur le fonctionnement de Areva, qui exploite l'uranium au Niger. Quel est votre durée de vie? Bon, Jean-Marie, moi, on m'a appris ceci. Je sais qu'il y a des journalistes congolais qui sortent de ce pays, qui vont en France, qui vont dans des musées et qui font des enquêtes sur tout ce qui est art matériel et immatériel congolais ramené clandestinement à l'extérieur du pays et qui mènent des enquêtes et finalement, ça paye. 10 années, 20 années après. Vous connaissez... Il y a des journalistes... Pardon, Jean-Marie. Vous connaissez André Kiffer. Laissez-moi avancer, pardon. Je vais passer un mot très important. Vous risquez de me perturber. Ou Jean... Pourquoi je le veux. Je le veux. Vous savez, je le veux. Qui est mort ici, sur le fleuve Congo aujourd'hui, fleuve Zaïre à l'époque. Il était venu juste seulement enquêter sur les activités françaises dans le pétrole, enfin, ce qui concerne le pétrole, dans le golfe de Guinée. Et on a trouvé et son bateau, et ses affaires, ici au Congo. Et donc, il y a des enquêtes qu'on dit classées top défense, sécurité nationale, dont on ne laisse même pas les jeunes faire leurs enquêtes. Donc, la géopolitique mondiale fonctionne, comme a dit John tout à l'heure, avec les éléments de langage. Nous ne pouvons pas nous inscrire dans une dynamique de cautionner une démarche honteusement installée pour déstabiliser le pays. Vous pouvez continuer. Alors, je ne pense pas que ces enquêtes sont de nature secret défense, à ne pas s'y intéresser. Je ne pense pas que c'est le cas. Alerter sur un détournement de 138 millions de dollars, je ne pense pas que c'est le cas. Sinon, on interdirait aussi à ce que le procureur ou la cour poursuive Matata pour un soupçon de plus de 300 millions de dollars. Et donc, ici, la leçon en tant que journaliste, c'est que je retiens, si vous me laissez chuter, je retiens que sur le plan, c'est une leçon, hein, sur le plan national, à ceux qui dirigent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'entend pas sur les proches du président de la République? J'ai eu l'avantage d'être au Lualaba, avec quelques confrères ici. Mais qui n'a-t-on pas vu? Ils sont tous là-bas. Proches du président de la République. Actuel. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font au Lualaba? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et quand ça va sortir demain? S'ils exploitent, moi je ne confirme rien, je me suis posé des questions. Il y a 10 ans, où étaient-ils? Certains, ce seraient même propriétaires des carrés miniers. Où ont-ils trouvé l'argent pour se procurer ces hectares de terrain? Qu'est-ce qui a fait que 2 ans avant, ils n'avaient pas assez de contacts pour occuper des carrés miniers dans l'Est, comme dans l'Ouest, comme dans le Katanga? Ce sont des questions à se poser. Et parce que, justement, si vous mettez le bazar, demain, ça va vous retomber. C'est une leçon, Jean-Marie Kassamba. Ce n'est pas que Kabila. Moi, j'encourage d'ailleurs ce genre d'initiative. Ça permettrait à ce que ceux qui viendront demain, qu'ils aient effectivement crainte de se lancer
dans le détournement des deniers publics, de ne pas confondre l'argent de la République et l'argent privé. Jean-Marie, je vais parler des indicateurs. C'est quand même important ce que cette enquête nous offre. Parce que sur le plan politique, il y a aussi de la récupération. Certains disent, mais il y a aujourd'hui, actuellement, Kabila qui se présente comme donneur des leçons, pas lui, ses proches, collaborateurs. Voilà le régime des incompétents, les détourneurs, etc. Mais le placard qu'ils gardent dans leur régime. Mais justement, cette enquête vient mettre à nu tout ce que les autres disent. Et moi, je ne prends pas parti pour l'un comme pour l'autre. Je dis, au-delà de tous ces clivages, il faudrait maintenant voir une leçon que nous devons retenir de gouvernance. Je voulais aborder un élément, toujours s'agissant de cette question, Jean-Marie Kassamba. C'est là où je vais terminer. On nous dit aujourd'hui, je donne les indicateurs, on nous dit aujourd'hui que Kabila, par exemple, est propriétaire de près de 15 000 hectares qui constituent Kingakati. Mais demain, ne soyons pas étonnés s'il y a un Congolais journaliste qui pose des questions. Monsieur Kabila, pouvez-vous nous dire le moyen financier? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que votre salaire de président ne vous permet pas d'avoir 15 000 hectares. Et lorsque vous posez la question, on vous dit même pour s'octroyer plus de 5 000 hectares, il faudrait aller au Parlement. Quel mécanisme vous avez fait? Demain, si un Congolais fait cette enquête, n'écrions pas à l'acharnement. Parce que je vous ai dit, en France, on a posé des questions à Sarkozy. Où avez-vous eu l'argent pour dépasser les quotas réservés par la CENI pour organiser des élections? Ce sont des éléments importants. Et je le dis et je le ramène au cas Tshisekedi. Demain, ne soyons pas étonnés si on posait la question, par exemple, je dis n'importe quoi, à Mimoul, mon ami Mimoul, par exemple. Monsieur Mimoul, vous avez aujourd'hui 10 000 hectares. Propriétaire, où avez-vous trouvé l'argent? Qu'est-ce que vous avez fait? Ne criez pas à l'acharnement. Parce que vous devez justifier. C'est une interpellation, moi je le dis. Je ne prête pas le flanc totalement à ce rapport. Mais je dis, au-delà de tout, c'est une leçon de gouvernance que nous, Congolais, nous-mêmes, nous devons intérioriser. Lorsque nous sommes aux affaires, il faut savoir que nous ne devons pas confondre le trésor public. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai... Quand on parle de la banque BGFIBank, il est vrai, lorsque vous posez la question au banquier, il y a eu un premier scandale, je crois le fils Lumumba qui l'a dit, comment une dame peut se retrouver avec 40% au départ et sans qu'il y ait une justification? Comment on peut prêter à la CENI 25 millions de dollars et un intérêt de 1 million de dollars, on le paye doublement? Ce sont des questions. Il faut réparer les erreurs du passé pour mieux affronter l'avenir. Merci beaucoup. Merveille. Vous, au début, vous avez dit que vous êtes aujourd'hui républicain patriote. Oui. Est-ce que vous allez céder à la facilité de Bélibou? Non, pas. Ce n'est pas une facilité, c'est une analyse. C'est une analyse, Jean-Marie. Mais il a fait son analyse. Je respecte son point de vue, bien que je ne suis pas d'accord avec mon confrère estimé, hein, que j'aime beaucoup. D'où Jésus Bélibou. En fait, moi, je serai scientifique. Je vais aborder l'aspect scientifique et l'aspect empirique. Parce que ce dossier a beaucoup de contours. D'abord, je vais partir en fait d'une pensée de la sociologie des médias, où on dit que les médias peuvent être un instrument de manipulation. Je bien dis. Et je vous signale par ailleurs que France 24 est en grève. Hein, justement. Je voulais en parler d'ailleurs. Oui, ils sont en grève. Les médias peuvent être un instrument des manipulations. Mais ils travaillent quand même sur combien de 3 millions de, de dossiers. Je disais que les médias peuvent être 500 000 dossiers. Vraiment. Je disais que les médias peuvent être un instrument des manipulations de la classe dirigeante à la classe dirigée. Et aujourd'hui, qui dirige le monde? C'est le modèle libéral, qu'on se le dise. Et aujourd'hui, vous le savez bien que le modèle libéral, c'est l'Amérique. En Europe, c'est la France qui est l'allié principal des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, regardez, c'est beaucoup plus le média français qui donne beaucoup plus d'importance à ce dossier. Regardez le nombre de minutes que France 24 accorde à ce dossier. Regardez le nombre de minutes que RFI accorde à ce dossier. Sonia Rolet est à Kinshasa, mais vite Sonia Rolet est rentrée en France. Il est sur le plateau. Pour faire la promotion de ça. Pour faire la promotion, il est sur le plateau.
de France 24 pour en parler. Edmond Izouba parlait du temps ici. Sonia Rolley, il est tout le temps au front là-bas, tout le temps, il tweete. Le nombre de victimes. Sur le nombre de victimes. À quel moment Sonia Rolley... Elle va travailler sur 3 millions de documents. 3 millions, 5 millions de documents. Ce sont des questions... Ce sont des questions... Et d'ailleurs, pour information... pour information, ils ont même envoyé un formulaire à certains leaders. Oui. Dont Corneille Nanga, j'ai l'exemplaire, moi. Oui, moi aussi, j'ai l'exemplaire. Qui a refusé de répondre. Il dit, c'est une... C'est son avocat, d'ailleurs, qui a répondu. Vous n'êtes pas la justice. Il dit, voilà. De quel droit vous pouvez vous autoriser à... D'abord, les élections, c'est souverain. Est-ce qu'on peut aller au ministère de l'Intérieur de la France demander comment vous avez organisé vos élections? Ce sont des questions à se poser. En fait, ce que les multinationales font dans la partie est de la RDC... Aucun rapport. C'est pire que ce qu'ils viennent de nous donner comme rapport. Est-ce que vous savez combien... Des milliards. Nos minéraux qui sortent illégalement. Le pays pouvait bien bénéficier. Le Rwanda voisin exporte. Premier producteur. Du coltan. Alors qu'ils n'en ont même pas. Ça vient de l'or. De la RDC. On a même des raffineries là-bas. Est-ce que vous savez ce qui se passe là-bas? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas d'enquête. Vous ne verrez aucun journaliste international s'est installé dans la partie est pour mener une enquête et quel dirigeant rwandais des révélations qui voilà, sur France 24, non. Mais lorsqu'il s'agit de la RDC, Joseph Kabila est à la une. Il est sur l'écran de France 24. Et demain, vous l'avez dit, ça sera peut-être Félix Tshisekedi. Hier, c'était Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il en a payé les prix. Il est mort. Patrice Emery Lumumba est mort et d'ailleurs... Et Mobutu le pauvre, interdit même de séjour en France. C'est là même que j'interpelle son fils. Il a craché sur la mémoire de son père. Son père est mort pour ce pays. Le petit-fils. Oui. Le petit-fils, voilà, merci. Eric, il s'est vendu aux impérialistes. Eric, vous pouvez bien bouger la tête. Lumumba. Rien que le nom. Justement, Lumumba. Oui. Mais il devait même faire respecter la mémoire de ce nom. Justement, mais aujourd'hui... Acheter pour moins. Aujourd'hui, il serait, j'ai bien dit, il serait jumé au conditionnel, mais il serait derrière ce dossier parce qu'on lui a promis, il semblerait qu'on lui a promis les papiers. Mais, et il n'a pas encore des papiers. Il n'a pas encore des papiers. Non. Papiers et avantages. Vous êtes en train de vendre son pays. Parce que ici, c'est l'image de la RDC. Aujourd'hui, on parle de la RDC. Que voilà, les présidents honoraires, voilà, a détourné l'argent de la République. Et malheureusement, il ne parle que des 138 millions. Seulement. Alors que nous le savons tous, que dans ce pays... On a banalisé les millions. Et même jusqu'aujourd'hui... On banalise les millions. Et même jusqu'aujourd'hui, les rapports de l'IGF nous parlent même des chiffres dépassant les 138 millions ici. L'IGF, avec le régime Tshisekedi, on nous parle des pieds. Pourquoi est-ce que les Mediapart et les autres... Et surtout, j'aimerais préciser ici, RFI est là-bas. Moi, je sais que RFI, France 24 et consorts, TV5 font partie du département français de politique extérieure. Média France Monde, oui. C'est la politique extérieure de la France vis-à-vis de l'Afrique. C'est à leur ministère des Affaires. Justement. Et ils sont en train... De chercher à garantir l'impérialisme de la France. Et nous savons tous que la France, c'est l'allié par excellence des États-Unis d'Amérique. Joseph Kabila est reproché du contrat chinois, on le sait très bien. Il est dans les collimataires. Joseph Kabila, l'Occident a mal digéré le contrat chinois. Jusqu'aujourd'hui, ça pose un problème. Et les nouveaux communiés aussi. Voilà, et jusqu'aujourd'hui, Kabila ne sort même pas de la RDC. Kabila est à Kingakati là-bas. Il est allé à Dubaï. Il est allé à Dubaï, oui, Dubaï, ce n'est pas le monde libéral. Il n'est pas allé en Europe. Il n'est pas allé en Europe. Ni aux États-Unis. Ni aux États-Unis. Moi, je suis en train de parler. Même qu'il n'est pas au pays. Il serait. Il est en Afrique du Sud. Voilà. Il est passé pour ses études. Il est venu en voiture. Il roule en voiture. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il faut ce qu'on appelle le doute méthodique. Il a dit. Il faut le doute méthodique. Moi, lorsque cette information a été publiée, j'ai tweeté d'ailleurs, j'ai envoyé les tweets à tout le monde, bien que j'ai été insulté. Déjà ? Oui, j'ai été insulté, je vous dis, je l'ai dit en public, j'ai été traité de tous les mots. Alors que moi, en tant que journaliste, j'ai d'abord douté. D'abord de la durée de l'enquête. Moi, j'enseigne le journalisme.
c'est ce qu'on appelle une enquête et la durée... D'abord, on dit que c'est combien de médias déjà? On parlait de... 19 médias. Ouais. Combien de journalistes... Médias et ONG. Combien de médias ont fait les déplacements de la RDC? Quand on sait qu'il y a déjà le corona. Et on dit qu'il y a même le groupe d'études sur le Congo, GEC, qui a aussi mis la main dans la pâte. Mais le problème qui se pose, Jean-Marie, je pense que dans le système de documentation, dans une enquête, un document ne peut être déclaré vrai que par sa source de provenance. L'émetteur. Oui, l'émetteur. Donc, aujourd'hui, devant un procès, s'il brandissait les documents et que la BG Fibank dit que c'est un faux, et la justice ne prend l'option que de la BGFI parce que c'est la BGFI qui doit donner l'authenticité de ces documents. Certifié. Absolument. Est-ce que tous ces documents-là, les 3 millions et quelques, là, ont été un à un certifiés par les sources? En 9 mois, non. La réponse est claire. En 9 mois, non. Sauf s'il s'agissait d'une enquête express. Je sais qu'il s'agit des enquêtes... parmi les types d'enquêtes, il y a ce qu'on appelle une enquête express. Et une enquête est toujours demandée. Voilà. Mais je sais qu'en 9 mois, avec autant de documents, c'est difficile. C'est difficile de nous produire... Absolument. Avant que la parole aille chez Wemba, moi, je me pose une question. Nous sommes quand même des producteurs ici. Qui a financé une enquête comme ça? Voilà. Parce qu'il faut le déplacement, il faut que ces gens soient dans des hôtels, les billets d'avion. Qui a financé? Mais c'est là où moi je suis en train de vous parler des multinationales. Vous savez, le Congo est stratégique. Le Congo, c'est l'avenir du monde. Avec la transition écologique. Alors, lorsque un monsieur a léser les intérêts des multinationales, parce qu'aujourd'hui, en réalité, ce sont les multinationales qui définissent, absolument, en fait, le fonctionnement du monde. Lorsque un individu a lésé l'intérêt ou les intérêts des multinationales, vous savez, ces gens-là sont très rancuniers. Joseph Kabila n'est plus au pouvoir, mais... C'est pas fini, justement. Rando. Merci beaucoup. Oui, le problème est beaucoup plus profond que tel que nous l'analysons. Bon, partout dans le monde, vous savez, pour mettre la main sur quelqu'un, l'Occident utilise des médias. Nous l'avons vu en Roumanie avec Ceaușescu, où il y a une grande manipulation. Ils ont filmé des morts naturelles. Timișoara. Oui, hein. Ils les ont présentés comme des victimes. On est parti à la morgue récupérer les cadavres qu'on a mis dehors et on a canardé les cadavres. On a dit, voilà, Ceaușescu a tué ces gens. Oui, là, nous sommes même dans les contextes de la guerre froide. Et Kadhafi, on est parti à Benghazi. On a tiré des coups de feu. On a dit que Kadhafi est en train d'envoyer des armes, des exécutions massives à Benghazi. Il faut une intervention. Bref, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Oui, continue. Donc, c'est ce que j'ai dit. Où Saddam Hussein avait l'arme d'exécution massive. Colin Powell est parti aux Nations Unies avec un flacon où il y avait de l'eau. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà l'alarme de Saddam Hussein. Enfin. Nous l'avons eu secours ensemble. On a eu secours ensemble la deuxième licence à Merveille, la sociologie des médias. C'était ça. Donc on constate quand même que les médias sont utilisés généralement pour mettre la main. Donc il y a quand même une volonté aujourd'hui de mettre la main sur Joseph Kabila. Mais on doit quand même se poser des questions parce qu'au début, Kabila est porté par l'Occident. Quand il y avait des élections de 2006 entre Bembe et Kabila, tout le monde estimait que Kabila... Louis Michel qui a rencontré pour la première fois Kabila, quand il sort, il dit... c'est mon fils. Il parle correctement français. Si. Donc l'Occident a porté Kabila à un moment donné. Mais quand Kabila prend les pouvoirs, il commence à signer des contrats chinois. C'est là où le problème a commencé. Mais plus grave encore, c'est les codes miniers. En tout cas, l'épineux problème entre l'Occident... Qui donne des droits aux Congolais. Les drones, c'est les codes miniers. Donc on veut mettre la main sur Joseph Kabila. Est-ce que Félix Tshisekedi va céder à cet appel de l'Occident? Parce que lui aussi, on peut lui mettre devant une difficulté. Nous pouvons te soutenir pour un deuxième mandat. Mais on a vu déjà la lettre de Tshisekedi à Poutine qui est sortie. Oui, mais moi, je vois on même... Tshisekedi est en train de donner le Congo aux Russes. Je ne parle même pas de cette lettre-là, mais je vois déjà la lettre du gouverneur de la Banque centrale adressée à BVJ. Comment on appelle BVJ Bank, oui. Constatant qu'il y a des déficits là-bas et qu'on sort. Donc, c'est pour liquider la BGF. Ah, donc, pour liquider. Donc, il y a déjà un problème. En somme, la BGF, je crois au-delà de rembourser tout, au nom de notre stabilité, moi, j'ai beaucoup de choses à reprocher à Kabila, sa gestion et consorts. Est-ce que c'est pour autant? Parce que nous avons un problème de stabilité ici, dans ce pays. Il y a eu quand même quelque chose que le Congo n'a jamais connu.
au-delà de nos frustrations, qu'il y a un président vivant. Mmh. Les Congos n'ont jamais connu ça. À l'époque, Kassavu, on l'a liquidé. On veut à tout prix que Kabila vivant ne soit pas vivant. Ben, Kabila ne soit pas vivant. Et Kabila signait un peu aussi son retour politique avec les blocs patriotiques. Et les ça, blocs. Oui, c'était quand même cette ville de Kinshasa. Qui a bougé. Qui a détesté Kabila. Au-delà des trois élections, Kabila n'a jamais été élu à Kinshasa. On chantait Kabila Zonga. Mais aujourd'hui. Non, le jour de la marche. De la marche, on a vu quand même des chadars y devenir fréquentables ici à Kinshasa. On a applaudi Chadar. On a applaudi, les gens disent Kabila a signé son retour politique. Est-ce que bon, ça coïncide? Et c'est ça qui a précipité le rapport. Moi, je pense que c'est ce qui a précipité parce qu'on a voulu vraiment que Kabila se retire, dans mes analyses, se retire totalement. Mais on constate encore qu'il est encore influent dans la vie politique congolaise. C'est comme ça. Alors, moi, je pense que par sursaut patriotique, il y a des choses que nous devons refuser. Oui. Nous, en tant que nation. C'est-à-dire que s'il y a un problème de Kabila, ce sont des Congolais qui doivent les régler ça. J'ai vu ça avec Pinochet. Pinochet, au niveau de la Chili, quand on a voulu mettre la main sur lui par une certaine justice internationale, le pouvoir en place a dit non. Et on a même dit, mais monsieur, toi-même, tu as été victime du régime de Pinochet. Oui. Comment tu refuses qu'on puisse les livrer? Même si on l'a pris de force, mais les gouvernements chiliens s'y étaient opposés. En disant que Pinochet est ce qu'il est parce que vous, l'Occident, vous l'avez soutenu contre les dirigeants marxistes de l'époque. Donc l'Occident change au-delà de ses intérêts. Il a porté à un moment donné Kabila, mais quand Kabila a pris quand même certaines options en dernière minute, ça pose sérieusement. Donc moi, quand je vois ces rapports-là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que vous êtes d'avis avec Izouba que on ne peut pas quand même prendre des journalistes congolais comme des enfants? C'est ça que je vais arriver. Donc, on voit une méthodologie. Mais non, mais quel est le problème? Ça nous interpelle aujourd'hui, même nos dirigeants. Quand Sonia Rolé demande une interview, accéder à une source, on l'accorde facilement que les journalistes congolais. Ça, il faut le savoir aussi. Ça, c'est un problème au niveau de l'interne. Les politiciens congolais. Elle parle avec beaucoup de. Non, les politiciens congolais. De condescendance sur la RDC. Beaucoup d'importance à ces médias internationaux. Moi, je pense, je lis dans ces rapports-là la volonté manifeste de mettre la main sur Kabila, qu'on n'a jamais pardonné pour les codes miniers. Et comment Tshisekedi va jouer par rapport à ça? C'est ça l'élément déterminant aujourd'hui. Non, oui, on va lui dire, oui, nous sommes prêts à te soutenir même. On peut lui faire rêver un deuxième mandat, mais livrez-nous Kabila. Parce qu'il nous a fait l'affront. Oui, est-ce que Tshisekedi va résister cette fois-ci? Donc c'est tout ça la problématique. La question est posée, monsieur le président. Donc aujourd'hui, plus que jamais un problème, Kabila fait du mal dans ces pays peut-être. Nous avons le droit de les détester, qui est l'Occident, moi, mon imbalvertage nationaliste. Oui. Comme pour Pinochet, les Chiliens ont dit. Laissez-nous notre Kabila. Laissez-nous régler les problèmes de Kabila. Merci. Oui, Longuida. Je pense que les erreurs commises. Deux fois, Les erreurs commises par ignorance et précipitation par nos pères ne peuvent pas se reproduire avec nous, leurs fils. Oui. Et nous, leurs petits-fils. Comme on avait fait de Lumumba, Lumumba communiste, et d'ailleurs le il faut contrôler les médias. Et à un moment donné, on dit que Lumumba a été tué par les villageois. La dépêche, c'était mais ça. Mais qu'est-ce qu'on ne dit pas? À un moment donné, on nous dit même que c'était Tshisekedi qui avait dit les crapauds, ceci. Oui. Donc, il commandait une chose et il nous oppose autour de ces situations. Donc, on présentait Tshisekedi comme celui qui a collaboré à la mort de Lumumba. C'est lui qui alors a fait que c'est les Belges eux-mêmes qui ont fait même Mobutu et alors que c'est eux le vrai commanditaire. Et il faut qu'on fasse vraiment attention parce que nos pères, et puis à leurs âmes, ils ont commis cette erreur. Nous ne pouvons pas reproduire cette même erreur. Parce que si nous perdons nos repères, nous n'aurons plus de sages qui peuvent nous aider à résoudre sagement ce que nous avons comme divergence. Aujourd'hui, moi je l'ai dit autrefois, je suis contre Kabila des fois par rapport à son silence. Il est le premier conseiller de Tshisekedi en tant que président de la République. Parce qu'il connaît les rouages. Il connaît. Il ne peut pas garder tout ce qu'il a comme expérience en tant que président dans ce pays quand il constate qu'il y a des rives, quand il y a un problème. Là, on voit le considérer comme un complice. C'est-à-dire qu'il veut voir l'échec ou dire voilà. Mais il doit alerter et accompagner. L'intervention, les agissements, l'attitude, les comportements de Kabila ne peut pas seulement être politique, mais aussi et surtout nationaliste, parce qu'il doit aider, surtout en tant qu'ancien chef de l'État, pour aider son successeur. Et c'est très important pour ces pays. Quand on aime ces pays, on doit aider la personne qui est à la commande pour qu'il gère mieux les choses. Cette BGFI banque-là, il faut qu'on en parle un peu, cette banque, qu'est-ce qu'elle est finalement? Mais c'est aussi une banque française. Bien sûr. Nous savons qu'il y a le Gabon, à côté ici à Brazzaville, BGFI est représentée. C'est une banque congolaise. Oui. Mais
Sonia Enrolet, c'est une Française. Je le dis, si c'est un agent de renseignement français, elle n'est pas journaliste. Moi, je le dis que Sonia Enrolet n'est pas journaliste. Moi, je préfère qu'elle vienne ici, dans un débat contradictoire, elle va fuir, avec un journaliste congolais, elle va de fuir, son choix, elle va autour fuir, de cette Sonia, enquête. Sonia, l'invitation est lancée. Et on verra. Après, après 40 minutes. Oui. Après 40 minutes, c'est un défi, pas contre moi. Il peut choisir qui veut parmi nous. Un débat contradictoire. Allez, avec Charles et un débat contradictoire un autour de cette enquête. Oui. Et les Congolais vont apprécier. Même pendant 5 minutes seulement. Sonia, il faut venir devant le rapport ici. Elle ne nous a pas dit que, quelque part, si on a financé les élections dans ce pays, qui ont fait de Tshisekedi du président, la BGFI aussi a quelque part bien sûr contribué. Oui. On dit la BGFI a mis la main. Donc elle met en cause l'élection de Tshisekedi. Voilà, tout ceci, Il a amené ses résultats, Sonia. Tout ceci. Non, mais en France, Sonia Abdi, ils ont eu un document qu'il fallait leur gagner. C'est Fayoul qui a gagné. C'est lui qui a sorti ça. Moi, je me souviens que j'ai rencontré Sonia Rollet. Oui. Des fois, ces gens, ils nous prennent pour des idiots. Je l'ai rencontrée, c'était au moment des dialogues de l'Union africaine. On discutait avec elle. Oui. À un moment donné, il voulait nous savoir que les Pygmées sont discriminés au Congo. Mm. Moi, je lui ai dit non, tu ne peux pas dire ça. Mm. Parce que dans ces pays, on a connu un premier ministre Pygmée qui s'appelle Iléo. Oui. Il était Pygmée. Oui. Comment tu peux parler là? Oh non, tu n'étais même pas encore né. C'est-à-dire que nous prenons aussi ces gens-là comme s'ils peuvent connaître mieux les Congos que les journalistes d'où Jésus qui est ici. C'est l'impression qu'ils veulent nous donner. Moi, je ne crois pas tout. Je termine. On a quand même des vieux Kamanda, Wakamanda. On a Patient Ligoni. Mais pourquoi ils n'ont pas été associés à cette enquête? Pourquoi ils n'ont pas été associés? Nous avons à TV5 Blaise Bassomboli. Oui. Est-ce qu'il a été associé? Non. Il est congolais aussi. Vous avez des correspondances journalistes spécialistes. Comme Bienvenue Bakoumagne. Des journalistes congolais. Bienvenue Bakoumagne. Excellent. Mais pourquoi Bienvenue Bakoumagne Pourquoi il n'a pas été associé à cette enquête? Pourquoi on peut nous prendre des non-congolais pour enquêter sur des situations congolaises? Voilà là où on veut cacher quelque chose. En réalité, ils sont spécialistes, ils sont experts, ils sont professeurs, ils sont le plus intelligent quand il faut défendre leurs intérêts. Mais ils sont ignorants et sans foutistes, permettez-moi, bêtes et imbéciles, quand il faut voir les intérêts de la République. Et je pense que sur ces points-là, c'est là où je voulais rencontrer Bélidou, parce que je vous en veux pas, mais je pense que vous avez rappelé l'acharnement, vous êtes contre Sissi, c'est vrai, mais vous avez ignoré le chantage qu'ils font. Oui, le chantage, peut-être que vous êtes l'acharnement, peut-être que vous êtes contre, pour des questions politiques internes sur Kabila, on connaît, on peut se comprendre. Entre nous, si on se retrouve sous le palabre, on peut se contredire autour de Kabila, de Tshisekedi, c'est normal. Mais si on fait mention au chantage, ça c'est un chantage qu'ils font. En réalité, si vraiment ils voulaient nous pondre ces rapports, ils ne pouvaient pas attendre le départ de Kabila. Il fallait qu'ils le fassent avant. Surtout qu'ils avaient tout le temps, vu que Kabila devrait obligatoirement partir. Mais pourquoi le faire aujourd'hui, pendant que Tshisekedi a fait un focus sur autre chose, veut atteindre d'autres objectifs, et on nous rappelle Kabila une année après les élections? Vous savez, il y a un président africain, Gbagbo, qu'on a arrêté, qu'on a humilié. On a même détruit sa famille parce qu'après la sortie de la prison, il a divorcé. 10 ans. Il a divorcé. Personne n'est pas de On l'a détruit aujourd'hui. Mentalement. On l'a détruit. Et heureusement qu'il est fort. Mais pourquoi on a constaté son innocence après? Après autant de pompes autour de son arrestation, de médias internationaux mobilisés. On a dit d'ailleurs qu'à Boaké, on avait retrouvé des charniers. Imaginez. Que Gbagbo avait des armes lourdes qui tiraient sur la population et c'est pour ça qu'il a été arrêté. Mais pourquoi ils se sont tués aujourd'hui, ces gens? Bemba également, c'était la même chose. Mais 10 ans après, on laisse avec beaucoup de facilité. Beaucoup de facilité. Donc quelque part. C'est vrai, je suis d'accord avec vous quand vous nous interpellez autour de ce genre d'initiative. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier que le Congo, c'est notre pays. Nous avons besoin d'une bibliothèque où nous irons de temps en temps consulter pour voir comment Tshisekedi a fait, Lumumba avait fait, Mouzé avait fait, Mobutu avait fait. Mais si on veut détruire le trace dans ce pays, nous allons répéter les mêmes erreurs des années 60, des années 70. Diaboliser les vôtres. Et qu'on sort. Et on ne va pas avancer. Alors, Charles Kinkanko, justement, en parlant des bibliothèques, pourquoi, dans beaucoup de pays africains, sauf peut-être le Ghana, hein, seulement le Ghana et deux ou trois pays,
on a des anciens chefs d'État qui sont là, qui peuvent se déplacer, etc. Mais en ce qui concerne la RDC, je me rappelle de l'envoyé spécial du président américain, lorsque Mobutu était en négociation avec Muzé, hein, vous savez, après Utenika, etc. Il est venu lui dire ici, il s'appelait comment le conseiller africain. Voilà. Ça doit venir, oui. Il a dit à Mobutu, il faut que vous partiez, sinon votre cadavre, on va le traîner ici dans la ville. Bon, Jean-Marie Kassamba. Pourquoi on ne veut pas laisser des anciens présidents africains vivre chez eux? On a vu Ben Ali, comment on l'a vraiment... hein, on voit même le président de Guinée-Bissau. Il a préféré aller en Guinée équatoriale. Donc on ne veut pas que les anciens chefs d'État africains vivent normalement. Soit ils sont en exil, soit ils sont morts. Bon, je pense que l'exercice ici n'est pas de purifier Kabila dans l'opinion. C'est plateau, c'est pas un purgatoire pour les acteurs politiques qui ont montré parfois un visage triste de la gestion de ces pays. Non, on parle de la dynamique. C'est pas ici l'objectif. C'est pas ici de sanctifier Kabila dans l'opinion. C'est pas le rôle ici. Moi, je m'appesantis sur les faits tels qu'ils ont été présentés. On nous parle, les faits c'est quoi? C'est qu'il y a eu l'argent des foreurs qui sont tombés dans un compte. Il y a eu l'argent de la Gécamine qui sont tombés dans un compte. Il y a eu l'argent de l'ONU qu'on a payé au casque bleu congolais qui était en Centrafrique qui sont tombés dans un compte. Ça, ce sont des faits. Est-ce que doit-on prendre ces faits comme étant la parole de l'Évangile? J'ai dit non. Parce pourquoi? Je me dis que en 9 mois ou 6 mois, il est difficile de compulser, d'examiner, d'authentifier 3 500 000 documents. Ils ont engagé combien de personnes? Ils les ont payés combien d'argent? Dans quel bureau? Ils ont travaillé dans quel bureau? Dans quel pays? Ils ont procédé comment? Quelle a été la méthodologie du travail? Nous devons être rigoureux dans l'analyse. C'est ça le problème. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que nous, journalistes congolais, nous allons aussi nous mettre au travail pour faire une contre-enquête afin de savoir est-ce que la trésorerie. Il faut nous donner des moyens aussi. Tombalbaï 34. Ah, le président de l'INPC doit nous trouver. Tombalbaï 34. Tombalbaï 34. Au siège de Télé 50. Qui est le 60% dans Sud-Ouest. Oui. Les filles Kindle, ils sont au nombre de deux. On nous a parlé d'un certain Selemani, Moutoualé. C'est à nous maintenant de faire le travail. Où sont-ils que faut-il? C'est à nous de faire le travail. Mais pas de rêver et de rejeter en bloc. De dire que ici, on est dans une logique de Magister Dixit. Ce qu'ils ont dit là, en tout cas, on prend les faits tels qu'ils les ont présentés. Allez! On se met maintenant pour diaboliser, alors, pour enfoncer Kabila, ou pour blanchir Kabila, ou pour monter en épingle le Congo bashing. Moi, je pense que nous ne sommes pas dans une logique manichéenne ici. Alors, je vais juste vous poser une question un peu plus globale. Moi, j'ai travaillé un peu dans ces médias internationaux. Ce n'est pas un secret que j'ai travaillé là. Pourquoi les journalistes africains, hein, lorsqu'ils arrivent dans les médias internationaux, leurs collègues au niveau international, lorsqu'il s'agit de travailler sur leur pays d'origine, on ne les associe pas. Deuxièmement, pourquoi lorsque les Occidentaux arrivent chez nous, ils pensent avoir la maîtrise et la considération des intérêts de ce pays-là que les propres compatriotes? Vous voulez que je vous réponde? Oui. C'est parce que nous sommes des pays peu fiables. Des pays qui boitillent nos dirigeants, parce que vous avez posé la question ici. Non, mais je suis sérieux. Je suis sérieux. Le continent le plus riche au monde, c'est l'Afrique. Oui. Le pays le plus riche au monde, c'est la République démocratique du Congo. Absolument. Je parle bien de la richesse en termes de ressources des sous-sols. Regardez l'état dans lequel nous nous trouvons 60 ans après l'indépendance. Et on a vous pensez que c'est un plaisir, c'est une joie? D'un rapport d'une petite journaliste on a connu la gestion chaotique qui vient de Paris pour nous donner des leçons ici. Attendez, non, Jean-Marie Kassamba, pour que l'on nous considère
que l'on soit pris au sérieux, nous devons commencer à être nous-mêmes d'abord sérieux. Est-ce qu'elle peut faire la même chose en Chine? Regardez, non, mais en Chine. Jean-Marie, chaque jour ici, moi je suis beaucoup les médias français. Oui. Je vois comment les journalistes traitent la France. La France, lorsque Éric Zemmour, par exemple, Marine Le Pen, dépeint les tableaux de la France, c'est que c'est un pays bourré d'insécurité où on tue les gens à tout moment, par les policiers sont maltraités. Regardez les tableaux qu'ils présentent de la France. Pour eux, la France, c'est pas cette France-là qu'ils rêvaient. Vous voyez, ils le disent chaque jour ici. Donc, nous ici, nous devons d'abord être sérieux à l'interne, avant que les autres nous prennent au sérieux. C'est très important. Voilà pourquoi Mobutu a dirigé le pays pendant 35 ans. Mobutu a fait quoi? Si Mobutu était un despote éclairé qui aimait le pays, mais il allait ramener ce pays, le pays allait faire beaucoup de bons avant, plus même que le temps des Belges. Mais Mobutu n'a pas fait cela. Mouzé Laurent Désiré Kabila, un nationaliste arrive, lui, je dois bémoliser un peu sur son camp. Peu de temps. Parce que j'ai vu comment Mouzé aimait le pays. Bien qu'il avait instauré une dictature temporaire, il a chassé les opposants, supprimé les partis politiques et tout ce que vous connaissez. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais quand même, c'était un nationaliste. Il rêvait cette Afrique-là dont moi je rêve aujourd'hui. L'indépendance de l'Afrique, une Afrique qui se prend en charge, une Afrique qui monte en puissance. Voyez-vous, une Afrique indépendante qui peut faire face aux États-Unis, à la France, à la Chine, parce que... On ne lui a pas laissé le temps. On ne lui a pas laissé le temps, malheureusement. On a dit, oh, le celui-là, il va faire bon. On ne lui a pas laissé le temps, malheureusement. Si on avait un président, si Kabila Mouzé avait fait 20-30 ans dans ce pays, je pense que ce pays allait connaître beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès. Alors, des rébellions sonnaient. Et on a alimenté Joseph arrive au pouvoir. Oui. Lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir, bon, on a vu ce qui s'est passé. La période 1+4, c'est la période la plus corrompue de l'histoire de ces pays. Ça, vous les connaissez. Et il n'y a pas eu de rapport. Non, il y a eu beaucoup de rapports sur l'enrichissement des dirigeants pendant la période 1+4. Du temps de Kabila, on n'a pas manqué assister à des scandales ici, que des millions. Un pays, scandale géologique, à côté d'autres types de scandales. Scandale sexuel, scandale économique, scandale de corruption, scandale de pauvreté, scandale de misère noire. Tout ça, ce sont des scandales que nous vivons dans ce pays chaque jour. Et du temps de Kabila, on a connu des dossiers de détournement des fonds, des violations massives des droits de l'homme. Ça ce sont des faits, Jean-Marie Kassamba. Voyez-vous, alors, Eric Wemba l'a dit ici, Kabila était porté à bout de bras par les Occidentaux. Ça, on ne doit pas l'oublier. Lui, Michel, et tout ce qu'on dit. Mais quand il a pris conscience... Alors, en 2012, c'est en 2012 que moi, j'ai vu un ton, le ton de l'Occident, hausser le ton contre Kabila. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Bon, ils ont toujours un discours, violation des droits de l'homme et tout ça. Non, même si cela est sélectif. Les contrats chinois. Non, s'il vous plaît. Il y a eu aussi contrats chinois, je n'en disconviens pas. Oui. Parce que j'ai vu comment les FMI et les institutions de Bretton Woods en général avaient imposé à Kabila Rénoncer. De supprimer la clause léonine qui était dans les contrats chinois, qui consistait à ce que si les gisements qui étaient cédés aux Chinois, ces gisements-là, n'avait pas une teneur importante à minerai, que la République devait offrir d'autres gisements aux Chinois. Et c'était pour être une clause d'honneur. Mais les 9 milliards, on avait descendu. Ils ont condamné et menacé le contrat chinois. Alors, maintenant... Chuté. Toutes les violations que l'on a connues dans le Kabila, ça fait ternir son image. C'est pourquoi nous tirons l'attention de ceux qui sont autour de Félix Tshisekedi aujourd'hui. Oui. Parce que si on va commencer à tuer les gens dans les rues et tout ça, ça sera donner des armes à ceux-là. Nous devons reconnaître aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, que malgré notre souveraineté, je dirais même contrôlée, nous ne pouvons pas facilement faire face aux États-Unis, à l'Union européenne. Nous devons reconnaître ça. Dans les rapports entre les nations... Est-ce que c'est là pour autant qu'on les laisse faire tout n'importe quoi? Non, ce n'est pas ça. Oui, c'est quoi, ça veut dire que les puissants qui sont là aujourd'hui, ils le sont d'abord. Regardez, par exemple,
dans cette histoire des sous-marins australiens. La France n'a rien fait, hein, malgré les rappels de l'ambassadeur et tout ça. La France n'a rien fait, les États-Unis se sont imposés. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, les États-Unis, l'Union européenne par exemple, décidaient de nous mettre sous embargo, en tout cas, nous allons souffrir dans ce pays. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire, je termine par là, oui. Alors, je termine vraiment par là. Cela veut dire que les rapports qui est publié par ces gens-là, ce n'est pas des rapports qu'on doit prendre, avaler naïvement comme ça. Parce qu'il y a toujours des agendas derrière ces types de rapports. Oui, oui. Et nous, en tant que journalistes, nous devons faire la contre-enquête afin de nous rassurer de la véracité du contenu. Ils ont acheté maintenant, on est vers la fin de l'année. Bon, merci beaucoup. Je crois que les amis ont parlé. Je me demande si ces enquêtes n'aideraient pas notre pays à pérenniser la bonne image qu'elle a toujours eue à l'extérieur du pays. Parce qu'on dit toujours que la RDC, c'est un pays scandale, géologie qu'il cite, la forêt, n'en parlons même pas, la faune, nous avons un vaste réseau fluvial. Alors, quelqu'un m'a dit, vous allez continuer, quelqu'un m'a dit que ils ont déjà des listes, allez, des collaborateurs de Tshisekedi qui ont acheté des maisons à l'étranger. Ils ont déjà des... On a parlé tout à l'heure, ils ont pas parlé, enfin, mais le deux parlait des collaborateurs qui ont des carrés miniers, etc. Ils ont déjà tous ces sur la table. Et ils font passer à Tshisekedi pour dire, attention, vous voyez ce qu'on est en train de faire des Kabila là? Si vous ne faites pas ceci, on va vous balancer aussi. Est-ce qu'on ne doit pas être nationaliste pour protéger en même temps Tshisekedi? Moi, on doit être nationaliste. Surtout, et protéger notre président. Surtout aujourd'hui, nous devons reconnaître que la RDC fait son retour au concert des nations tête haute avec la présidence de l'Union africaine. Mais ce qui est dommage dans tout ça, malgré les efforts fournis actuellement. Regardez comment on lui fait d'un co. On lui fait d'un co. Il y a déjà des réunions internationales. Certaines, on ne l'invite pas. C'est-à-dire, oui, malgré les efforts déployés par le président Tshisekedi, oui, malgré le fait qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs ministres qui voyagent dans plusieurs directions du pays. Aujourd'hui, même en Océanie, le pays est représenté. Même dans le petit sommet qui se tient dans le coin du pays, un ministre n'a pas représenté la RDC. Donc, il y a eu un déploiement du côté diplomatique. Et aujourd'hui, le pays devait avoir de l'épaisseur. Mais tout ça, c'est rien. On estime que sur tout ce que vous procédez, comme scandale, la défense, c'est rien. On vous sort des dossiers. Regardez combien nous avons obtenu. Ça doit nous frustrer, nous. Maigre 500 millions. Des promesses. Maigre 500 millions à la COP26. Pourtant, ce sont eux-mêmes, eux, qui s'accaparent de nos forêts, en ont fait des patrimoines mondiaux. Combien de milliards? Quand il faut reconnaître la RDC, ils sont là, ils inventent la RDC et tout ça, l'avenir de l'humanité. Mais là, quand on entre dans le débat, le vrai débat, donnez l'argent maintenant. On leur présente, moi j'ai suivi les discours du président de la République, c'est irréprochable. C'est irréprochable. Et franchement, les contacts qu'il a pris là-bas sur place et les lobbying menés pour la RDC, j'ai calculé, si c'était le moins, ça devait être 5 milliards de dollars. Je me disais ça. Si c'est petit. Mais on se retrouve avec 500 millions. Les 10% que je pensais qu'on pouvait en avoir. Non, mais c'est une injustice planétaire. Et là, Sonia Rolet n'en parle pas. Là, on n'en parle pas. Là, la presse, on dit non, voilà, et tout ça. On prend à l'Afrique du Sud, là, qui... La moitié désertique. La moitié désertique. Hein. On donne, je crois, 8 milliards ou... 5 milliards. Oui, imaginez. Oui. Si vous les analysez efforts, nous sommes, l'économie du pays est tenue par des Blancs. Ben c'est ça ce que je dis. Nous sommes ces poumons-là. Aujourd'hui, nous sommes ces poumons. Et ils polluent énormément. Nous sommes ces poumons-là oui, qui protègent l'humanité. À des faits gaz, effet, des gaz à effet de serre. Oui. Nous protégeons, nous réduisons sensiblement les COD. Mais la RDC, quand il faut répartir. Là, je ne sais pas si on nous en fout et puis on estime qu'on est encore en forme. Mais regardez ce qu'ils font. Leur injustice maintenant. Oui. On prend le petit Rwanda. C'est quoi pour nous énerver ou quoi? On est en train de choyer le Rwanda. On estime que voilà, au Rwanda, ça fait bon vivre. Regardez la politique utilisée par Kagame et tout ça. Et puis quand
dans la sphère diplomatique, quand ils font leurs discussions, ils estiment que non, le président Tshisekedi doit s'arranger avec son homologue rwandais, son frère, ami et tout ça. C'est qui joue à la manette? C'est Macron qui dit que non, vous ne pouvez pas et tout ça. C'est là-bas, c'est les Nations Unies. J'ai même appris pourtant, que Kagame proposerait de déplacer la capitale de l'Union africaine d'Addis Abeba à Kigali. Imaginez. Et pour ça, le monde entier est prêt à octroyer ça aux Rwandais. Et vous avez vu vous-même l'injustice au niveau même de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Oui. Le Rwanda aujourd'hui occupe quelle place de cette organisation? Allez au Rwanda, on parle l'anglais. Oui. Mais c'est le lobby de qui? C'est le lobby de cette communauté internationale. Nous les avons soutenus, la RDC a soutenu cette, aussi l'image de la RDC est toujours présentée comme ça. Et pendant que Félix, Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi monte en flèche avec une diplomatie, je dirais, agissante. On estime que malgré ces efforts là, c'est rien. La RDC ne vaut rien. On peut encore représenter aujourd'hui la RDC à genoux. Et ça se représente en termes d'enquête. On dit voilà, c'est que le chef d'État siphonne comme ils font de l'argent que nous leur donnons. On prend l'argent de casque bleu, on prend l'argent et tout ça. Bon, tout ce que je peux tirer merci comme beaucoup. Conséquence terminons, tout ça, dans tout ça, terminons. Comme conséquence, terminons. Comme conséquence, oui. Nous devons, pour des questions d'intérêt général et national, national. Des questions qui nous concernent à nous, nous n'aurons plus jamais des leçons à recevoir de l'extérieur du pays. Ça n'est de trop et ça doit se limiter là. Merci bien. Jean-Marie, moi je pense que peut-être que vous m'avez mal compris. Moi je veux qu'on ait un président honoraire, Joseph Kabila. Moi j'étais l'homme le plus heureux depuis que je suis né dans ce pays. C'était la première fois pour moi d'assister à une passation des pouvoirs entre un et tout le monde est rentré à la maison. Deux présidents. Oui. L'entrain et le sortant. Oui, mais depuis que je suis né, c'était ma première fois de voir une passation civilisée des pouvoirs. Je veux que Kabila vive. Mais tout ce que nous disons ici se résume à une leçon. En une citation sénégalaise. Tant que le lion n'écrira pas sa propre histoire, l'histoire de la jungle sera écrite par le chasseur. Ceux qui nous chassent, ça nous concerne. Nous apprennent. Comment on explique aujourd'hui à nos enfants, en plein 21e siècle, on enseigne à nos enfants que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Et où était mon oncle Dingo? Où était-il? Donc Diego Cao débarque, d'où il était, oui. Il a trouvé, il parle même pas la langue. Et en plein 21e siècle, faut qu'on enlève ça de l'enseignement. Qui a découvert la bouchée du fleuve Congo? Diego Cao. Diego Cao. Et nous, Africains, on les cautionne. Tant que le lion n'écrira pas sa propre histoire, l'histoire de la jungle sera écrite par le chasseur. Absolument. Comment expliquer, Jean-Marie, que nous, journalistes, nous ne nous donnons pas la peine de faire des enquêtes nous-mêmes sur ce qui nous concerne. Regardez ce que nous faisons ici. Excusez-moi, à la limite, c'est ridicule. S'il vous plaît. À la limite, c'est ridicule. On a conçu une émission sur l'enquête des autres. Toute une émission, des heures d'état. Donc, ça dit, c'est pas la colère. C'est la colère. Il représente comme un agent de renseignement français. Un journaliste français fait un rapport, un journaliste, et nous, on sort nos mots, le gros mot. Appris à l'effacer. Bah, si vous êtes d'accord, facilitons-nous la tâche. Alors, si moi je sors mon enquête, on peut en débattre. Alors, non, et on analyse. Et soit que j'ai une enquête, après. Tu n'as pas la parole, donc c'est ça. Alors, pourquoi j'évoque tout ceci? Facilitons-nous la tâche. Je disais, ça, on fait des grands débats. Ce débat, pour moi, c'est une interpellation collective. C'est une interpellation collective dans la société. Ça doit nous devons nous remettre en cause. Et nous devons, en tant qu'Africains, là je parle en tant que pan-africain, je revais vraiment ma peau de Mzé Laurent Désiré Kabila, d'Étienne Tshisekedi, comme pour dire, nous devons nous prendre en charge, chacun dans son domaine, chacun où il est. Et nous devons s'accepter en tant que peuple. Je vous dis, Jean-Marie, vous voyez ce rapport-là. Si c'était mon ami John Mungi là, qui avait fait ce rapport, on allait nous dire que ça vient des Cachamata. Oui. Personne n'allait donner du crédit à ça. Oui. Si c'était Christian Bossembe, on allait dire c'est la diffamation. Oui, ça vient de la 13e rue. De 10e rue. Oui, 10e si rue. C'était Edmond, ça vient des Camerounais. Oui. Si c'était Bénédou, ça vient de la Talibanie. Et donc, nous devons nous accepter comme tels. C'est une interpellation. Je chute, je n'aurais pas beaucoup à dire là-dessus. Oui. Je chute par cet adage sénégalais. Oui. Tant que le lion n'écrira pas sa propre histoire,
l'histoire de la jungle sera écrite. Merci par beaucoup. On a fini. Oui, je vais terminer. Oui. En fait, un journal, pour ceux qui ont fait les sciences de l'information et de la communication, ils connaissent cette théorie, la théorie de l'agenda sit-in. C'est nous, journalistes, qui sélectionnons pour les publics ce qu'ils doivent consommer. Et les Français veulent sélectionner pour nous ce que nous, nous devons consommer. Ça m'étonne que nos compatriotes s'emballent sur ce dossier. Je comprends, mais nous, notre rôle en tant que journalistes, en tant que spécialistes en la matière, c'est justement d'interpeller. Mais également, en communication, on dit que la communication est sociogène. Ça veut dire que c'est la communication qui crée la société. Nous, journalistes qui sommes leaders d'opinion, nous devons savoir quel type de communication utiliser pour, en fait, organiser notre propre société. Parce que eux, ils sont en train d'organiser leur propre société à travers leurs médias. Oui. Nous avons nos médias, nous. C'est là que j'interpelle également le gouvernement de nous donner les moyens. Par exemple, par rapport à ce dossier. C'est un dossier, si nos autorités nous suivent, vous êtes là, notre président de l'UNPC Kinshasa, qu'on nous donne les moyens. Nous, nous sommes on prêts. On va démonter tout ça. Nous, nous sommes prêts pour faire... Oui, contre-expertise. Oui. On a fait une contre-expertise. Oui. Tu vois comment je prends au sérieux le rapport Hold Up. Si, je prends au sérieux ce rapport-là. S'il vous plaît, et je souhaiterais même que si, effectivement, la justice congolaise pense qu'on doit ouvrir des enquêtes par rapport ouvre à ça. Enquêtes. Qu'on ouvre les enquêtes. Absolument. Parce que ce n'est qu'un rapport. Ce n'est qu'un document. Ce n'est qu'un rapport. Mais quand c'est 1500 documents, la banque existe. Attendez, la banque existe. La banque existe. Laissez la justice. La banque existe. On a qu'à aller dans la banque. Laissez notre justice. Je pense que c'est un rapport. Quand on parle des scandales, mais les scandales, ça n'a pas changé. 130 millions qu'on voit là n'est pas différent des 400 millions qui sont sortis pour construire les 100 jours ici. Où on a donc c'est-à-dire on ne doit pas justifier un détournement par exemple de l'État qui tue les Congo. Non, merci beaucoup. Vous voulez qu'on engage un débat là-dedans? Les scandales n'ont pas changé, on continue. Mais les 130 millions n'est pas, il y en aura encore en premier. Merci beaucoup, l'émission est terminée. Ce que je dois dire à ceux qui nous suivent est que on n'est pas dupes, nous les Congolais. On n'est pas du tout dupes. On sait effectivement à qui profite le crime et dans quelle manière on montre tout ceci, qu'on ne nous prenne pas pour des enfants, qu'ils ne comprennent pas comment médiatiquement on peut déstabiliser les pays et leurs dirigeants. Et donc, si nos amis, qui sont de la presse dite internationale, veulent être sérieux, qu'ils viennent nous consulter, qu'ils viennent aussi voir comment nous, Congolais, nous appréhendons nos réalités ici, et ils auront peut-être d'autres vérités, mais ça ne passe pas. L'opinion sait maintenant que certains travaillent pour des services de renseignement, certains travaillent pour les multinationales et qu'il y a plutôt débat ailleurs. Donc, soyez tranquilles, ce n'est que du fake news, comme disait Trump. Fake news, fake news, fake news. À la semaine prochaine.